Bon bah d'abord, merci Pierre pour l'invitation, et puis à l'organisation et tout. Je suis content d'être là. J'espère que je vais faire quelque chose d'un peu clair, d'un peu accessible. C'est pas toujours gagné quand on a des philosophes qui se pointent, mais bon, on va voir. Je travaille effectivement sur les problèmes éthiques, sur les problèmes politiques qu'il y a autour de la viande de brousse. Et je pense que à partir du moment où on s'intéresse au statut moral des animaux, à notre rapport avec eux, on a tout le temps cet argument qu'on nous renvoie, genre bon, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des gens qui peuvent pas être véganes, tout le monde peut pas être végane, etc. C'est un argument, on nous le sort tout le temps. Et sur de multiples plans d'ailleurs, parce que ça peut être la santé, ça peut être la nécessité de certaines populations de chasser pour se nourrir, c'est vraiment sur plein de choses. Et l'argument, bah, quand on nous le sort dans notre contexte à nous, en France, en Europe, Amérique du Nord ou quoi, bah, c'est complètement un argument de mauvaise foi. Il y a énormément de biais derrière. Déjà, dans un premier temps, il y a un biais qui va être le fameux biais du statu quo. Il y a une situation initiale, on ne veut pas y toucher, et comme on ne veut pas y toucher, on souhaite la garder, on ne remet rien en question. Donc souvent, les gens, quand ils nous sortent... oui, mais tout le monde peut pas être vegan ou machin, ou la situation elle est comme ça, voilà, c'est parce qu'ils veulent pas remettre en question une situation initiale. Donc c'est déjà un biais. Il y a le fameux biais naturaliste, bon celui-là je le développe pas trop, mais qui consiste à faire appel à un genre de nature, mais qui sera jamais défini, et généralement on va tirer un droit d'un fait. Dans la nature c'est comme ça, donc il faut que ce soit comme ça, sauf qu'entre ce qui est et ce qui doit être, il y a une limite quand même tranchée, je pense. On va nous sortir souvent l'argument du pire. Il y a plus urgent que le droit des animaux. Alors, comme il y a plus urgent que le droit des animaux, il faudrait s'occuper de ce qui a plus urgent d'abord. Souvent, ça vient de personnes qui s'occupent de rien du tout. Et quand bien même, l'un n'empêche pas l'autre. Généralement, ils ne voient pas que l'animalisme, ça participe aussi d'une justice plus forte pour les humains. Ça, c'est pas vu parce qu'on a aussi, d'un certain point de vue, un genre de refus de l'intersectionnalité. C'est on s'occupe des animaux, que des animaux, absolument que des animaux, et on trahit tout le reste des êtres humains. Voilà, c'est l'argument de base. Et puis, donc, mes deux préférés qui sont vraiment là dans le côté tout le monde ne peut pas être vegan, il y a des gens, ils sont obligés de chasser pour se nourrir, les Inuits, tout ça. Il y a d'abord un sophisme de la solution parfaite. C'est-à-dire que votre solution, elle prend pas tout en compte, elle résout pas tous les problèmes du monde, donc il faut même pas l'appliquer, même juste un peu. Ça, c'est un sophisme assez énorme. Parce que si on part de là, on fait plus rien. Et il y a la fameuse dissonance cognitive. Les gens qui nous sortent, il y a bien des gens qui sont obligés de chasser pour se nourrir, ils sont en pleine dissonance cognitive. Je vais y revenir un peu plus tard, mais c'est vraiment là-dedans. Du coup, on est sur une réaction de mauvaise foi. Et on va justifier notre participation à l'exploitation animale par le fait que certaines populations ne peuvent pas, en l'état actuel, s'en passer. Donc c'est un sophisme de la solution parfaite. Ça ne résout pas toutes les situations, donc on ne fait rien. C'est une dissonance cognitive, parce qu'on reconnaît que c'est mal. On va dire certains n'ont pas le choix, au sens de c'est un mal nécessaire, etc. Donc on reconnaît que ça pose un problème moral. Mais comme certains n'ont pas le choix de le faire, et bah du coup, c'est un problème moral pour personne. On est en pleine dissonance cognitive là-dedans. On reconnaît que, mais on continue. On va rendre le mal supportable en le présentant comme ça. Et puis, bon, c'est assaisonné d'un nouvel écueil, c'est-à-dire on a un contexte local et on va en faire une généralisation abusive. Donc, je sais pas moi, le contexte des gens qui sont obligés de chasser pour se nourrir, c'est pas le nôtre du tout, mais on va le généraliser et puis comme ça... tout le monde peut exploiter, c'est plus un problème. Alors qu'au contraire, c'est assez facile en fait, de dire à un occidental qui vit quand même dans une relation de richesse relative, de bah voilà, cesser l'exploitation animale. C'est pas un problème financier derrière n'est pas énorme. L'accès aux produits du type légumineuses ou autres, c'est quand même assez ouvert, assez facile, de plus en plus d'ailleurs. Donc voilà, il n'y a pas de raison véritablement, quand on est en France, quand on est en Amérique du Nord ou en Europe, de sortir un argument comme celui-là. En revanche, là où ça pose problème, et ce qu'on n'a pas réglé quand on dit ça, c'est, bon,
La mauvaise foi du carniste occidental, on sait comment, comment y répondre, mais qu'est-ce qu'on fait pour les populations concernées ? Parce que les gens qui utilisent cet argument-là, les populations concernées, en fait, ils s'en foutent. Ça leur sert de prétexte. C'est une excuse. Quand on regarde ça de très près, qu'est-ce qu'on fait ? Généralement, les différentes théories abolitionnistes, et on peut prendre Reagan, on peut prendre Francione, on peut prendre Kim Lika maintenant, ils vont se présenter dans un cadre qui va être un cadre global, celui d'une théorie de la justice globale qui serait valable partout, qui serait valable dans le monde entier. Moi, je veux bien, hein, je suis d'accord, on est plutôt pour, en fait, dans l'idée. Mais comment on fait quand il y a des gens qui en dépendent pour leur survie ? Est-ce que ça veut dire que les propositions qu'on fait, elles sont pas globales ? Ou est-ce que ça veut dire qu'il va falloir trouver autre chose pour les mettre en place encore ? Dans un premier temps, je vais revenir vraiment sur les différents problèmes éthiques. Et j'en profiterai pour rediscuter un peu ce que dit Tom Reagan sur la chasse, parce qu'il a des idées intéressantes, mais elles restent dans son contexte, malheureusement. Et après, je reviendrai mais peut-être plus rapidement sur le problème politique que ça peut poser, parce que là, c'est vraiment même encore plus vaste que le problème éthique. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier beaucoup avec vraiment les théories éthiques, philosophiques, les trucs universitaires. Donc, je vais commencer vraiment par reprendre, juste sur les termes. Par exemple, qu'est-ce qu'on appelle véritablement un choix moral ? Généralement, le sens commun, ça va être un choix moral, c'est faire le choix du bien, faire le choix de quelque chose de bien. Donc, ce qui est moral, c'est le contenu du choix. Donc, j'ai le choix entre tuer et pas tuer. Bah, le choix moral, c'est de pas tuer, à l'opposition d'un autre qui serait un choix immoral, qui serait le contraire. Donc c'est un choix moral, c'est un bon choix qui va porter sur une question où la morale s'applique. Quand on travaille sur l'éthique, c'est vraiment plutôt le contraire, on va plutôt se focaliser sur la forme, c'est-à-dire qu'on ne se focalise pas sur le contenu du choix, et on va appeler choix moral le choix d'une meilleure option entre plusieurs possibilités, mais aussi de la moins pire, ou bien de trancher face à un problème qui n'a pas de solution, face à une aporie. Et dans ce cas-là, on va essayer de trouver différents critères, le critère du bien ou le critère de la justice. Souvent, les deux s'opposent. Je pourrais y revenir si vous voulez. Ou alors, comme on a vu un peu hier, les principes contre les conséquences, contre la vertu. Ça va être des écoles assez différentes qui ne sont pas forcément d'accord. Et ça va servir de critère face à des situations où, effectivement, il faut faire un choix, mais ils ne sont pas forcément faciles et ils ne sont pas forcément idéaux non plus. Et les solutions parfaites, pour le coup, effectivement, là, on n'en a pas. Je ne vais pas revenir sur le débat philosophique qui consiste à séparer l'éthique de la morale, à leur donner des sens différents, parce que sinon, je vais perdre tout le monde. Tout ce qui est méta-éthique, c'est vraiment un peu trop précis. Mais sur un sujet comme celui-là, pourtant, c'est important de le traiter aussi. Je vais revenir très vite sur l'argument qu'on a, parce qu'on nous sort tout le temps l'exemple des Inuits. C'est assez rigolo, finalement, parce qu'ils sont dans des sociétés assez riches, finalement. Canada, États-Unis d'Amérique, Russie. Ils ne sont pas hyper nombreux. Il y a quelque chose comme 150 Inuits, 180 000 si on considère les Yupik comme des Inuits. Et au total, y en a 2%, 3% en Russie, qui est peut-être le pays où ce sera le plus difficile à mettre en place, d'une part, une forme d'abolition et d'autre part, une forme d'aide aux populations. Mais sinon, tout ce qui est personnes vivant en Amérique du Nord ou au Canada, en admettant qu'on ait un État suffisamment fort ou une société suffisamment forte pour mettre en place un abolitionnisme, c'est pas 150 000 personnes qui vont être dures à gérer, quoi. C'est un problème pratique de quelques temps, mais c'est assez vite fait. Donc l'argument des Inuits, il n'est pas... Non, hein, ça réfute pas grand-chose sur l'antispécisme. J'ai même envie de dire, ils se tirent une balle dans le pied, parce que quand ils chassent avec des balles en plomb, ils vont contaminer la viande, il y a des bébés qui naissent avec du saturnisme, enfin, on est sur quelque chose d'assez... c'est en train de régresser, heureusement, mais je ne suis pas sûr que l'argument soit très pertinent, ni à titre de prétexte pour un carniste qui ne veut pas changer, ni pour les populations en question.
Par contre, qu'est-ce qu'on fait de la situation africaine? Qu'est-ce qu'on fait d'un pays comme le Cameroun, par exemple, où là, clairement, les moyens de l'État ne sont pas mis en place? C'est une dictature, hein, c'est une dictature clairement. Paul Biya, il est au pouvoir depuis 30 ans. Il est arrivé, il a remis la démocratie en place, officiellement. Donc ça, ça lui a pris déjà une bonne dizaine d'années. Après, il s'est fait élire, forcément, puis réélire. Puis il a changé la constitution pour avoir le droit d'être encore élu un nombre indéfini de fois. Donc là, il doit être à la quatrième maintenant. Enfin bon, on est sur un dictateur quand même assez balèze. Il a accepté, bien sûr, de signer tout ce qui est traité de l'ONU sur la protection de certaines espèces et tout ça, parce qu'il faut un rayonnement international du Cameroun. Et il y en a un. Hein. Dès qu'il est réélu, la France le félicite. C'est quand même quelque chose d'assez balèze. Mais alors, par contre, dans les faits, les interdictions, elles sont respectées nulle part. Il y a quasiment personne qui contrôle. Les officiers de police, de toute façon, ils sont corrompus. Ils viennent pas demander les papiers du véhicule, ils viennent réclamer de l'argent, hein. Mais c'est même plus caché. Avant Paul Biya, il y avait de la corruption, mais les gens se planquaient. Maintenant, c'est public. C'est assez fou. Et du coup, bah, comment on fait là, dans des cas comme ça, ou même des interdictions, disons, internationales, de protection des espèces, sur comme ça, n'arrivent pas à s'appliquer. Parce que bah, y a encore des gens qui vont chasser, soit pour vendre à des trafiquants, et se faire un peu d'argent, réussir à faire survivre leur ménage, soit au contraire, chasser carrément pour se nourrir. Et là, ça va cibler des animaux, disons, moins charismatiques aux yeux des différents marchés chinois et européens. Donc, je sais pas, moi, des hérissons, certains serpents, des choses comme ça. Tandis que tout ce qui est, effectivement, singes, crocodiles, bon là, c'est pour le trafic, on sait très bien où ça va. Le souci, en fait, quand on regarde vraiment un contexte comme celui-ci, c'est que les termes du débat, ils vont être complètement modifiés. Il y a une espèce de définition un peu moyenne du spécisme qui traîne beaucoup sur Internet, qui va être la définition de Wikipédia, où, basiquement, le spécisme, c'est d'accorder une valeur différente en fonction des espèces, qui est une définition très moyenne. Un antispécisme, généralement, il va répondre qu'il s'en fiche. Moi, vous me mettez un cochon ici, vous me demandez la valeur que j'accorde à sa vie, je réponds que je m'en fiche. J'ai pas besoin qu'il meure pour que je vive. Et inversement, la valeur de la vie d'un autre animal, finalement, c'est une question que j'ai pas besoin de me poser. On n'est pas en concurrence avec ces animaux-là. Donc finalement, l'antispécisme peut très bien, si on le souhaite, mais peut très bien partir dans une voie qui n'est pas celle-ci. En revanche, bah dans le contexte en question, quand il y a une concurrence entre les droits à vivre, j'y reviendrai, les intérêts à vivre, eh ben là, on peut plus refuser d'appliquer à des vies individuelles des questions axiologiques extérieures telles que qu'est-ce qu'elle vaut sa vie, etc. Parce que, ben, à un moment, va falloir trancher. C'est des questions qui ne sont pas plaisantes, qu'on n'a pas envie de se poser, et qui est très complexe. L'égalité animale, généralement, on la met en avant en disant que quand il y a différentes vies animales qui ne rentrent pas en concurrence et que leurs intérêts, c'est les mêmes, eh ben, on peut très bien leur donner les mêmes droits. Mon droit à la vie n'entre pas en contradiction avec le droit à la vie d'autres espèces françaises, admettons. Et même chose pour le droit à être protégé de la cruauté ou des choses comme ça, voilà, c'est pas un souci. Et puis après, on peut avoir quelques droits spécifiques en fonction des espèces, c'est-à-dire que si c'est un oiseau, ce serait bien qu'il puisse voler, et si c'est un humain, ce serait bien qu'il puisse avoir une éducation, le droit de vote ou des choses comme ça, qui sont des particularités propres à chaque espèce, qui sont pas spécistes du tout, c'est pas problématique. Par contre, voilà, on va se poser la question de la valeur, mais voilà, qu'est-ce que ma vie a comme valeur à mes propres yeux? Qu'est-ce que je souhaite y voir ou non? De quoi j'ai besoin pour m'épanouir? Et là, on peut regarder, bon, bah, tel animal, il lui faut ça, tel autre, il lui faut ça, l'humain, il lui faut ça, pas de souci. Dans le contexte africain, bah, le débat, il est complètement déplacé, la problématique, elle se déplace vers des questions qui sont nécessaires. Et il va falloir qu'on trouve des critères qu'on va essayer de trouver dans quelque chose de neutre, dans quelque chose d'objectif, pour trancher.
Il y a une vraie aporie dans des contextes comme celui de la viande de brousse. Qu'est-ce qu'on choisit entre intervenir, mais du coup, on va laisser mourir des humains, des animaux humains, ou alors on n'intervient pas, mais on laisse mourir des animaux non humains qui sont massacrés par dizaines et tout. Parce qu'en l'état actuel, la situation, c'est ça. Si on empêche certaines pratiques, qu'elles soient d'ailleurs déjà illégales ou pas encore, ben on signe l'arrêt de mort de pas mal de foyers. Des femmes, des enfants, des seniors aussi, qui ont besoin de ça, soit pour des raisons de subsistance directe, tout ce qui est petits rongeurs, serpents, etc., ça c'est à peine si c'est vendu, ou pour des raisons économiques, mais quand c'est les deux tiers du revenu de ton foyer, la viande de brousse, les raisons économiques et la subsistance, c'est difficile de les séparer. Donc là, on est sur quelque chose de complexe. Mais si on n'empêche pas ces pratiques non plus, ben on va signer l'arrêt de mort de pas mal de populations d'animaux. Certaines espèces qui sont protégées, mais d'autres pas. Et certains qui sont menacés, d'autres pas forcément. Mais la plupart, en fait, vont être dans une situation où on fuit la déforestation pour essayer de trouver un nouvel habitat. Et au passage, on se fait piéger. Une grosse majorité de la viande de brousse, ça va être ça. Et après, il y a quelques braconniers qui vont aller chercher plutôt les animaux sur leur lieu de vie, mais là, on est sur quelque chose de particulier qui n'est pas beaucoup en lien avec la subsistance. Alors là, quoi qu'on prône, quoi qu'on fasse, il n'y a rien qui va empêcher qu'il y ait des morts injustes dans ce type de cas, et pour assez longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Quels critères on utilise? Est-ce qu'on établit un classement moral, par exemple, entre l'action et l'inaction? Sous prétexte que, bah, finalement, ne pas agir, c'est avoir moins de responsabilité qu'agir. En philosophie morale, il y a des gens qui mettent ça en avant, par exemple. C'est plutôt ceux qui s'opposent au conséquentialisme, du coup. Ou est-ce qu'on part d'un ordre de priorité qui hiérarchiserait en fonction des espèces? Donc, priorité aux humains, puis aux animaux protégés, puis au reste des animaux. Si on fait ça, on perpétue ce que le droit, qu'un droit spéciste, qu'un droit animalier, fait déjà. Est-ce qu'on considère que la mort d'un animal et la mort d'un humain, c'est pas du même acabit? C'est pas la même chose, c'est pas le même niveau de gravité. Mais du coup, dans quel cas, laquelle est-ce qu'il faut empêcher d'abord? Même chose, c'est une question très pointue et pas simple. Et puis, est-ce qu'on calcule à partir du nombre de morts ou est-ce qu'on calcule à partir d'une qualité de vie de chacun? Encore des questions insolubles. Et puis enfin, bien sûr, bah, qui agit? Qui intervient? Parce qu'on parle d'intervention, de protéger des individus ou des espèces, peu importe, mais qui a la légitimité de le faire? Surtout dans des contextes où, effectivement, c'est pas notre pays, c'est pas chez nous, et ça a été marqué suffisamment par la colonisation pour qu'une intervention puisse être très très mal reçue. Donc ça fait beaucoup de problèmes. On a des tentatives de réponse par-ci par-là. Je vais commencer donc à rentrer vraiment dans le débat applicatif. Et j'aimerais parler un peu de ce que propose Tom Regan, parce qu'il en parle de la chasse dans son livre sur le droit des animaux. Il mentionne un peu la chasse ou le piégeage quand c'est pour se protéger d'attaques. Il dit que ça c'est un côté légitime défense, ça peut être acceptable, même si les attaques, généralement, on en est à l'origine, mais voilà, ça, bon, on les subit tout de même, on a le droit de se protéger un peu, là ça lui va. Par contre, tout ce qui est chasse de loisirs, chasse lucratif, Regan il dit bien, c'est non. Surtout quand c'est des promoteurs qui vont chasser les animaux de leur habitat pour ensuite construire quelque chose derrière, voilà, ça lui va pas du tout. Pour quelqu'un comme Tom Regan, considérer un animal comme une ressource renouvelable, c'est pas du tout tolérable, parce que c'est des individus, c'est pas des ressources, c'est pas la vie d'un sol ou des minerais ou un cycle de l'eau. Non, c'est des individus, ils ont des droits, donc on peut pas les considérer comme une ressource renouvelable avec l'idée écologique de, voilà, on prélève une partie, même ce qu'on dit plus tuer quand on est écolo, on dit prélever. C'est une stratégie d'évitement aussi, mais c'est très problématique. L'argument de la régulation des espèces par les hommes, c'est voilà, quelque chose d'assez limité. Tom Regan va aussi s'opposer à l'idée de quotas,
Parce qu'on met en avant des quotas pour la chasse, pour protéger les espèces et tout, mais il dit si on met un quota, on permet à la pratique de continuer sur plusieurs années, sur très longtemps, et donc à terme, ça permet de tuer beaucoup plus que moins. Donc le quota, c'est pas vraiment l'ami de l'abolition. Du moins dans le domaine de la chasse. Et même chose, c'est pas parce que on se priverait entre guillemets de tuer maintenant, de chasser maintenant, que ça se fera pas plus tard. Que le droit il se maintient et le quota il peut sauter, c'est très facile. Donc que ce soit d'un point de vue déontologique ou d'un point de vue de l'efficacité, Reagan s'oppose vraiment à ça. Donc même chose sur le vocabulaire écologique du prélèvement, il le dit bien, c'est une stratégie d'évitement du vocabulaire du meurtre. On l'entend très souvent, on prélève, donc c'est, voilà, c'est, on a des fruits sauvages, et puis là on a un animal, mais dans les deux cas on prélève. Il y en a un, il faut un peu l'égorger, mais sinon on prélève, quoi. Après, le point de vue de Reagan, c'est pas de nécessairement condamner les chasseurs, il dit bien, c'est pas des gens nécessairement cruels, mais ce qu'ils font, c'est mal, ce qu'ils font, ça va être « wrong ». Et il refuse de s'engager vers des pratiques qui conduisent à tuer plus. Il ne parle pas trop des pratiques de transition. Peut-être que d'ailleurs, il va considérer les pratiques de transition comme des quotas. Ça, ce n'est pas évoqué du tout, que ce soit dans l'ouvrage ou dans les différentes notes, les différentes préfaces qu'il y a eu depuis. Il dit bien quand même... Aucune approche de la faune sauvage ne peut être moralement acceptable si elle suppose que les décisions politiques doivent être prises sur la base d'une agrégation des dommages. L'idée, c'est que par agrégation, il entend vraiment un ajout successif, une somme des dommages qui ferait qu'au bout d'un moment, c'est trop, et donc là, on prend une décision politique. Reagan, il dit ça, c'est impossible. Les animaux, c'est des individus particuliers. Ils ont chacun un droit particulier en tant qu'individu. Et penser des dommages qui s'ajoutent, c'est nier ça. Donc c'est hors de question pour lui. Et il dit bien, voilà, tout ce qui est la philosophie de la production durable maximale, ça ignore systématiquement, tout comme ça viole systématiquement, les droits des animaux sauvages. Il est hors de question de se lancer dans une espèce de régulation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sur tout ce qui est chasse de régulation, écologie... Chasse de loisirs, on n'y revient pas. Condamner la chasse de loisirs, ça ne demande pas beaucoup de temps. Il revient un peu sur la chasse lucrative. Et il met en avant que ceux qui pratiquent la chasse lucrative, même s'ils ont au départ, en tant qu'individu, le droit de ne pas faire partie des plus mal lotis, c'est-à-dire de ne pas faire partie des classes, on va dire classes, les plus basses de la société, bah quand ils vont chasser pour se faire de l'argent, ils vont outrepasser le droit d'autres individus, donc ils perdent ce droit-là. Le fameux droit à ne pas faire partie des plus mal lotis. Là, je ne suis pas sûr que tout le monde voit bien de quoi il s'agit, parce que les plus mal lotis, c'est vraiment, quand il en parle, Reagan, un retour et une référence à la théorie de la justice de John Rawls. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit un peu ou pas du tout ? Bon. Je vais revenir dessus. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Rawls, c'est un philosophe qui a écrit en 70, 75 ? 71, ouais. 71. Et l'idée, c'est que son ouvrage majeur, La théorie de la justice, qui est une reprise de différents articles et puis de quelques idées, il y a un truc pour lequel elle a été retenue, c'est l'expérience de ce qu'il appelle le voile d'ignorance. Parce qu'il regarde comment les sociétés s'organisent. Il voit bien qu'à chaque fois qu'on prend une décision politique ou une décision morale, les êtres humains, ils ne sont pas motivés que par, des intérêts rationnels. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'ego. Je sais que j'ai un intérêt à ce que telle activité perdure, donc je vais plutôt la défendre. Et il y a des biais énormes. Et ce que dit Rawls, c'est que pour savoir ce que ce serait vraiment une société juste, une société vraiment juste, faudrait mettre sur les yeux des gens un genre de voile d'ignorance. Et quand on a ça sur les yeux, on ne sait plus du tout qui on est, quels sont nos intérêts, quelle place on occupe dans la société, ce qu'on a comme capacité, comme voilà. Et il dit, si on mettait tout le monde sous un voile d'ignorance comme ça,
et qu'on leur demandait de construire une société juste, de construire, disons, voilà, de regarder la mise en place d'une société, bah, les gens, finalement, ils auraient peur de faire partie des plus mal lotis, de faire partie des gens qui naissent avec le moins de chances possible, des gens qui ont perdu à ce qu'il appelle la loterie naturelle, donc moins de capacités physiques ou des handicaps ou des choses comme ça, et aussi des gens qui auraient perdu à la loterie sociale. Pas de bol, t'es né dans une famille pauvre ou quelque chose comme ça. Ce que dit Rawls, c'est qu'à chaque fois, dans les deux cas, ce qui nous arrive, ben, on l'a pas mérité. C'est pas une question de mérite du tout. Les gens qui réussissent parce qu'ils sont nés dans un contexte favorable, c'est pas une question de mérite. Et il est très anti-méritocratie, John Rawls, là-dessus. Et du coup, les gens, sous le voile de l'ignorance, ils auraient tellement peur de se retrouver dans disons, la condition la plus basse, qui n'est pas la pauvreté, parce que John Rawls, il se situe quand même dans des sociétés relativement riches, mais qui est quand même, voilà, c'est pas des gens qui mangent pas leur faim, mais c'est quand même des classes les plus basses possibles. Il dirait, on prendrait la décision de monter le niveau des plus mal lotis. Quand on parle de plus mal lotis chez Reagan, c'est vraiment ça. C'est vraiment, y a des gens qui vont être tout en bas de l'échelle sociale, et la société la plus juste, c'est celle qui rehausse le plus possible ce niveau le plus bas. Or, ce que dit Tom Reagan, c'est que quand quelqu'un va chasser pour de l'argent, et en particulier dans les sociétés occidentales, cette personne-là, elle va outrepasser le droit d'un animal à vivre, qui est un droit fondamental, un droit premier. Et ben, en faisant ça, on perd le droit de ne pas faire partie des plus mal lotis. Sous-entendu, si ton petit commerce de chasse ou ta petite exploitation animale elle se casse la gueule, t'as aucune garantie, t'as outrepassé des droits et tu as perdu le droit de ne pas faire partie des plus mal lotis, donc on ne te protégera pas économiquement dans des situations comme celle-ci. Donc c'est quelque chose de très très lourd, hein. C'est vraiment pas anodin de mettre ça en avant. Pour autant, bah, le propos il est d'autant plus fort. Voilà, qu'on sait que, et ça, Reagan n'a pas forcément fait attention, chez Rawls, les plus mal lotis, ils ne sont pas pauvres. Mais ça, Reagan, il n'y a pas un seul moment où il le pointe du doigt. Vraiment, il fait une grosse erreur là-dessus, donc lui, il va jusqu'à dire que les gens, à limite, ils perdent le droit de ne pas être pauvres, quoi, quand ils vont faire une chasse lucrative ou des choses comme ça. C'est très lourd, c'est très problématique, et ça l'est encore plus si on se pose des problèmes comme ceux de la viande de brousse, c'est très lourd aussi quand on essaye d'avoir une approche un peu diplomatique, d'essayer de faire perdre personne, aucun des camps. Voilà, du coup, on est sur quelque chose de moyennement diplomatique avec Tom Reagan. Gros problème en plus chez lui, dans tout son chapitre sur la chasse, il n'y a rien qui permet de déterminer s'il pense la condition des animaux sauvages, mais qu'on va chasser pour des objectifs vivriers. Dans le cas de la viande de brousse, par exemple. Ça, il n'en parle pas du tout. Reagan, c'est quelqu'un qui va autoriser les prédateurs à chasser. Donc, il va se situer vraiment dans la partie non interventionniste de l'abolition. Mais il ne nous dit pas du tout si on pourrait accorder ce droit-là aux humains qui sont en situation de pauvreté si forte qu'ils soient obligés de chasser. Est-ce que Reagan accepterait qu'on les considère comme des prédateurs ou pas, par exemple ? Il n'y a pas de réponse. C'est vraiment un truc qui ne l'aborde pas. Et c'est, je pense, le principal problème de la pensée de Tom Reagan, c'est qu'il est dans un contexte occidental. Et il n'en sort pas une seule seconde. Moi, j'essaye de penser le cadre des conflits de droits entre les animaux et les humains. Dans un cas, c'est des droits juridiques actés. Les personnes protégées, les êtres humains, peu importe dans quel pays, bah, ils ont un droit à vivre. Ça, c'est un droit, il est là, il est acté. Et puis, y a le droit à la vie, qui est, disons, encore à l'étape morale ou éthique de sa mise en place, le droit des animaux, qui, lui, va encore être un droit normatif, mais pas un droit acté en tant que tel. Toujours est-il que, bah, dans ce contexte, les deux, ils vont s'entrechoquer. Je préfère parler, du coup, de conflit d'intérêts. Parce que dans un cas, c'est un droit, et dans un autre, c'en est pas encore un. Donc je pense que c'est un peu plus simple de le mentionner comme ça. Du point de vue de Reagan, la pratique, elle n'est pas pensée du tout. Il y a un cadre général de sa théorie,
mais ça rend difficile de conceptualiser le problème. Or, le truc, c'est que Reagan, il nous a quand même fourni des outils assez intéressants pour traiter les situations exceptionnelles. Il y a deux principes qui sont assez problématiques, mais qui peuvent s'appliquer exceptionnellement pour Tom Reagan. Il y a ce qu'il appelle l'outrepassement minimal et ce qu'il appelle le principe du pire. L'idée, c'est que dans une situation exceptionnelle, on pourrait impliquer ce qu'il appelle le principe d'outrepassement minimal quand les dommages subis par les uns et les autres ils sont de même ampleur. Donc quand on a deux groupes qui sont en conflit de droits ou en conflit d'intérêts et qui vont subir des dommages équivalents, l'idée, c'est qu'on va outrepasser les droits du plus petit nombre pour faire en sorte de léser le moins de gens possible. Voilà, donc c'est vraiment les cas où c'est dommage, mais la situation est comme ça. On va outrepasser le droit de certains innocents, ça fait pas plaisir, mais il faut prendre une décision, donc autant que ce soit les moins nombreux, quoi. Si on a le choix entre une personne et 10, c'est presque quelque chose d'un peu utilitariste, mais alors Reagan le dit bien, c'est vraiment dans des situations exceptionnelles. Si c'est quotidien, si ça se passe tous les jours, on n'est plus du tout sur un cas comme celui-là. Mais qu'est-ce qu'on fait comment on pourrait appliquer ça au cas de la viande de brousse, par exemple? Reagan, c'est quelqu'un qui défend que la mort d'un être humain et la mort d'un autre animal, c'est pas le même niveau de gravité. Il dit que voilà, les humains, ils ont des potentialités en plus, etc. Donc, à choisir, on devrait... Voilà, bref. Et il reprend à son compte une expression de l'utilitariste John Stuart Mill qui disait « Vaut mieux être un humain insatisfait qu'un porc satisfait. » Donc on est sur des cas exceptionnels où finalement... Si les humains sont plus nombreux que les animaux, on va complètement sélectionner les humains, et voilà. Dès qu'il y a le dommage de même niveau, c'est ça. Donc c'est l'outrepassement minimal, c'est déjà quelque chose de très problématique. Dans un cas différent, il y a le principe, toujours aussi dans des situations exceptionnelles, c'est le fameux principe du pire. Lorsque le dommage, c'est pas le même, il faut outrepasser non pas les droits des moins nombreux, mais outrepasser les droits de ceux qui ont la meilleure situation. Donc si vous avez une majorité de personnes avec énormément de droits et avec une situation suffisamment élevée, suffisamment égalitaire, etc., et une minorité qui souffre, vous pouvez exceptionnellement outrepasser les droits de la grande majorité des gens, parce que après tout, ils sont mieux lotis. Alors là, dans un cas comme celui-ci, même chose, comment est-ce qu'on interprète ça ? C'est qui le moins bien loti dans l'histoire ? Est-ce que c'est le chasseur de brousse dont la survie quotidienne est directement corrélée au produit de sa chasse, donc de son efficacité ? Si t'es pas efficace, au bout d'un moment t'es mort. Ou est-ce que le moins bien loti, c'est l'animal sauvage dont l'habitat est détruit, qui est affamé, etc., qui va tenter de migrer vers un autre environnement et qui se fait tuer là-dedans ? Clairement, Reagan n'a absolument pas apporté de réponse. Ou même chose, autre problème, qu'est-ce qu'on fait quand on a d'un côté la mort d'un nombre X d'individus humains, et de l'autre, la mort d'un nombre d'individus animaux qui est plus élevé ? Parce que c'est renouvelé, c'est tous les jours. La théorie reaganienne, c'est une théorie qui refuse complètement de tomber dans le calcul utilitariste. Reagan, il combat l'utilitariste, John Rawls d'ailleurs aussi, les deux à peu près pour la même raison d'ailleurs, c'est que dans le calcul utilitariste qui consiste à voir nuire le moins possible au plus petit nombre, etc., on n'individualise pas les gens concernés. Et si on va les considérer comme des individus remplaçables, c'est la grosse critique qu'ils font tous à l'utilitarisme. Bon, je veux bien. Mais là, les deux principes, que ce soit le premier comme le deuxième, on en arrive à des résultats qui sont équivalents, finalement. Donc, on a une théorie antispéciste qui, dans des cas exceptionnels, permet parfaitement de prendre des décisions qui seraient anthropocentrées et qui seraient pas du tout dans l'intérêt des animaux. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de ce point de vue-là ? Comment est-ce qu'on pourrait comprendre les différents principes que Reagan a mis en place, mais qu'il n'a jamais pensé pour les appliquer dans ce contexte-là ?
Le premier constat que j'aurais tendance à faire, c'est qu'il va falloir détailler vraiment la situation. On est dans une situation qu'on peut qualifier d'extrême. Qui est un concept qui n'est pas du tout de Tom Regan. Et l'extrême, on peut le cerner avec un critère qui va être celui de la marge d'un côté et de la norme de l'autre. C'est Alain Renaud qui met ça en avant. L'idée, par exemple, c'est que la pauvreté d'un pays, elle est extrême quand c'est monnaie courante de voir des gens pauvres dans ce pays-là, des personnes fortement précarisées. En France, on a des situations de pauvreté, elles existent, elles sont très graves, mais c'est effectivement, d'un point de vue quantitatif, quelque chose de marginal. C'est pas les personnes les plus représentées socialement parlant, ce qui veut pas dire qu'il faut rien faire, ce qui veut pas dire que c'est pas grave, mais c'est en marge. Au contraire, dans un contexte comme le Cameroun, la pauvreté, c'est pas du tout la marge, c'est la norme. Si on est quelqu'un et qu'on vit au Cameroun, en moyenne, on est pauvre. Mais vraiment, enfin, c'est assez ahurissant. Et c'est ça l'extrême. C'est l'idée de, d'être dans une norme en tant que moyenne, donc d'être dans un pays où, en moyenne, on est pauvre. Est-ce qu'on ne peut pas considérer la situation des personnes qui sont obligées de chasser pour se nourrir comme une situation extrême ? Si on a des intérêts ou des droits qui entrent en conflit avec ceux d'une autre espèce ou de plusieurs autres espèces, en particulier dans le cas de droits de base comme la survie, soit je survis, soit tu survis, mais pas les deux en même temps, là on est sur une situation, sur une forme possible d'extrême. C'est extrême partout, c'est extrême pour les animaux, bien sûr, c'est extrême pour les êtres humains dans ces pays en voie de développement, pour la majorité d'entre eux, et c'est difficile de dire finalement en faveur de qui l'extrême va plaider. C'est qui subit le moins la situation extrême en question. C'est difficile. On pourrait répondre que c'est les humains parce qu'eux, ils ont un droit à vivre, c'est acté, c'est écrit, donc voilà, il y a quelque chose. Alors que pour les animaux, pas du tout. Et même les espèces protégées, elles sont protégées sur le papier parce que dans les faits, c'est du trafic et elles finissent dans l'assiette. Du coup, dans l'idée, si on essaye d'être dans un cadre théorique, disons, diplomatique, une situation où on essaye vraiment de faire gagner tout le monde, de pas avoir de laisser pour compte... les principes réganiens, ils ne fonctionnent pas. Et la critique de l'utilitarisme, quand c'est finalement pour faire des choses qui s'en rapprochent, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de très pertinent. Regan, par exemple, il introduit une différence entre la valeur de la vie, de manière générale, et la valeur de la vie aux yeux d'un individu, donc un individu qu'il appelle sujet d'une vie. Les humains sont sujets d'une vie, mais les animaux aussi. Alors, pour Regan, les animaux sujets d'une vie, ça va être des mammifères adultes et en bonne santé, c'est ça, et généralement donc âgés de 1 an à peu près. Bon, bah là, dire que la mort d'un animal, c'est moins grave que la mort d'un humain, une fois qu'on refuse d'ailleurs d'additionner les pertes, bah, ça permet, dans des cas exceptionnels, dans de nombreux cas finalement, de sacrifier le plus grand nombre, au profit du plus petit nombre. Du coup, si on reste sur Regan, on va probablement être sur le sacrifice d'un grand nombre d'animaux pour un petit nombre d'humains. Et c'est pas satisfaisant, parce que du coup, on n'a rien changé à la situation. Et en plus, la distinction entre ce qui est quotidien et ce qui est exceptionnel, elle me semble pas du tout suffisante. Il y a une fameuse expérience de pensée de Tom Regan qui consiste à dire, voilà, j'ai un canot de sauvetage, j'ai 5 places, et il y a 5 humains et un chien. Donc, qu'est-ce que je fais ? Il y en a un sur les 6 qui va mourir, et Regan dit, mais quand bien même il y aurait 5 humains et 1 million de chiens, il faut sauver les 5 humains, parce que la mort d'un chien pour lui, ça va être vachement moins grave et l'empêcher de faire moins de choses que la mort d'un humain pour lui. Et il refuse d'agréger, qu'il soit 1 million ou 2, ça change rien du tout. Mais par contre, alors tout le monde lui dit, oui, mais alors du coup, si vous autorisez ça, l'expérimentation sur les animaux, vous autorisez. Regan dit non, on est dans une situation exceptionnelle, il y a un bateau qui coule, un canot de sauvetage, quelque chose comme ça. L'expérimentation animale, c'est tous les jours, ça n'a rien à voir, on n'est pas dans une situation exceptionnelle, donc ça ne s'applique pas.
Et pour la viande de brousse, le souci, c'est qu'il aurait tendance à dire « on n'est pas dans une situation exceptionnelle, ça ne s'applique pas ». Mais c'est problématique. C'est pas parce que ça arrive tous les jours qu'on n'est pas sur de l'ordre de l'exception. Lui, il va prendre une exception au sens chronologique du terme. Ça arrive une fois tous les, etc. Donc c'est exceptionnel. Alors que l'exception, il faudrait lui donner un sens normatif. Ça devrait être exceptionnel de faire ça. Et d'autant que quand on vit au jour le jour, on fait en fonction de ce qu'il y a. C'est pour ça que je pense que l'idée d'extrême est vachement plus intéressante à utiliser. Alors effectivement, donc les animaux, ils vont être chassés, ils vont être exploités, ils vont être tués. C'est une forme de violation des droits qu'ils devraient avoir. Et c'est quelque chose d'assez extrême aussi. Bien que, effectivement, il faudrait utiliser le qualificatif d'extrême sur une question qui n'est pas du tout celle d'Alain Renaud. Ceux qui connaissent un peu sur quoi il travaille le voient bien. Reagan, d'ailleurs, il n'irait pas que la situation des animaux, elle est extrême dans la plupart des pays du monde, quoi. Mais il insiste lourdement sur le côté, vraiment, il faut que ce soit une situation exceptionnelle. Il le répète, je ne sais pas combien de fois, dans sa préface en 2004. Et tout ce qui est abus quotidien fait aux droits des animaux, pour lui, ça n'entre pas dans ce cadre. Alors que la personne qui est dans le contexte de la chasse, de la viande de brousse, il va vivre l'extrême pour sa situation à lui. Il est dans une situation extrême, et il le fait vivre aux animaux aussi. Du coup, qu'est-ce qu'on devrait faire véritablement pour que ces abus quotidiens, qui sont extrêmes parce qu'ils devraient être exceptionnels, justement, prennent fin? On a un problème éthique qui est assez majeur, parce que du point de vue des principes, on n'a pas énormément de solutions. Du point de vue des conséquences, c'est difficile à mesurer, c'est-à-dire que de toute façon, sur le temps long, ça prend des proportions qui sont vraiment inimaginables. Et en plus, on est sur une situation où, si on prend une décision, si on décide d'intervenir ou pas, si on décide d'aider telle personne ou aider tel animal non humain, je considère que les deux sont des personnes, c'est pas un souci. Mais à chaque fois qu'on décide, on prend parti. On est obligé de trancher, on a un parti pris à prendre, et il va falloir essayer de trouver des critères intéressants là-dessus, qui sont pas du tout une décision agréable. C'est là que je pense que le recours aux politiques peut être intéressant. Il y a plusieurs pistes possibles, et je pense que je vais avoir le temps d'en aborder quelques-unes. Je pense que la première, ce serait vraiment le côté transition, le côté double temporalité. Quelque chose qui est mis en avant déjà, par exemple, par Corinne Peluchon dans son manifeste animaliste, c'est de dire que, bon, on se débarrassera pas de l'exploitation demain, on se débarrassera pas du spécisme demain. Donc il faut penser en plusieurs temps. Et qu'est-ce qu'on fait pour mettre ça en avant? Le souci, c'est que c'est une stratégie sur le temps long qui ne fait pas consensus du tout au sein des milieux animalistes. Quelqu'un comme Franchion, par exemple, dès qu'on lui dit qu'une transition, ça met du temps, que la transition d'une personne met du temps, que la transition d'une société met du temps, il s'oppose. Il dit « mais c'est pas la question, il faut interdire maintenant, mettre en place une double temporalité, ça marche pas ». D'autant que, pour quelqu'un comme Franchion, la double temporalité, c'est qu'on se cale encore du point de vue des humains, du côté des humains, donc on est sur un biais problématique de ce point de vue-là. Ici, quelle espèce de double temporalité on pourrait mettre en place dans le cadre de la viande de brousse? Qu'est-ce qu'on mettrait comme solution qui pourrait prendre un peu de temps à se mettre en place, mais qui, à terme, protégerait au moins les animaux sauvages? Et puis ensuite, à voir. Déjà, le fait est que dans les pays en question, on ne peut pas du tout s'appuyer sur l'élevage. On ne pourrait pas dire on va élever un peu plus pendant 10, pendant 15, pendant 20 ans, pour que les gens ne meurent pas de faim le temps qu'on arrête ça. Et puis après, on recule. On augmente momentanément le nombre de victimes pour qu'à terme, il n'y en ait plus. Ça ne fonctionnera pas parce que l'élevage sur place n'est pas stable du tout. Pour avoir été à Yaoundé en été 2016, donc c'était mai-juin 2016, fin du mois de mai, grippe aviaire à Yaoundé,
ils ont été obligés d'abattre quelque chose comme la moitié ou les deux tiers des populations de volailles. Donc, t'es sur quelque chose d'assez balèze. Le souci, c'est que comme c'est une ressource principale au niveau alimentaire, bah, ça a fait fermer énormément de commerces, énormément de restaurants, énormément de choses comme ça, qui préfèrent, sur le temps court, fermer, pour pas préparer à manger des choses qui seront pas vendues, et réouvrir quand tout est fini. Parce qu'ils savent bien que s'ils sont chopés avec un œuf ou un bout de poulet, au niveau hygiène, ils sont fermés définitivement. Mais du coup, bah, y a rien de stable. On est sur quelque chose qui essaye de se massifier pour nourrir des millions de personnes, le principe de l'élevage industriel, mais dans des conditions, aussi bien des conditions d'hygiène que des conditions économiques ou de transport ou tout ce qu'on veut, qui ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. C'est-à-dire que s'appuyer là-dessus, ce sera probablement continuer à mettre en place des problèmes sanitaires énormes. Donc d'un point de vue ne serait-ce que sanitaire et puis probablement économique aussi, ça marcherait pas. D'autant que d'ailleurs la viande de brousse, pour des raisons sanitaires, c'est déjà extrêmement problématique. Donc on sait qu'on peut pas s'appuyer là-dessus. On pourrait éventuellement regarder sur la richesse agricole du pays. Au Cameroun, ça marche bien, la terre elle est particulièrement riche. Donc en mettant en place quelques cultures et en informant un peu les populations, pourquoi pas ? Pourquoi pas un régime où effectivement, eh ben, on a des haricots sur place ou des choses comme ça, on consommait un peu plus. Mais ça va demander, en admettant que ça se mette en place, une finesse qu'on n'imagine même pas. Rien que pour prendre un exemple, il y a quelques années au Cameroun, il y a eu des mises en place d'une forme de culture hygiéniste. Apprendre aux gens un peu l'hygiène pour que, voilà, niveau santé, ils s'en sortent mieux. Et on a dit, faut se laver les mains avant de manger. D'autant que il y a plus de germes, il y a plus de maladies, il y a moins de vaccins, donc se laver les mains avant de manger. Mais ça veut dire quoi manger pour un Camerounais ? Ça signifiait le repas. Donc les gens se lavaient les mains avant le repas, pas de souci. Mais quand ils allaient au marché, quand ils allaient grignoter, quand ils se croisaient comme ça, qu'ils échangeaient un truc, ils considéraient pas ça comme manger. Dans leur représentation, c'était pas ça manger. Manger, c'était se réunir autour d'un repas, avec la gamelle sur le feu au milieu et tout. Et donc, les prescriptions hygiénistes en question n'ont pas du tout suffi, parce qu'on n'a pas pensé du tout à comment elles allaient être reçues. Donc là, même chose, si on tient à toucher à quelque chose de l'ordre de l'agriculture végétale ou de l'alimentation, ça va demander vraiment une finesse ahurissante. Déjà, ne serait-ce que pour appuyer sur des représentations qui sont les représentations des personnes dans leur contexte. Donc ça demande d'apprendre beaucoup. Et en plus, ça va demander beaucoup aussi pour que ce soit bien reçu. C'est tout le problème des prescriptions dans les pays en voie de développement, peu importe que ce soit hygiéniste, que ce soit de l'éducation, que ce soit des choses comme ça. Après la colonisation, c'est assez mal vu qu'un blanc vienne dans un pays pour dire « bon, maintenant, faut faire ça ». C'est très très mal reçu la plupart du temps, et pour cause. C'est que dans la majorité des cas, c'est pas souvent l'intérêt des populations qu'on cible, c'est l'intérêt des gens qui viennent. Là, ça va demander vraiment une finesse et une coopération des personnes sur place qui va être assez folle. Si ça ne vient pas des populations locales, ça ne se mettra pas en place de toute façon. Raison pour laquelle, et j'avais vu ça émerger de temps en temps, je trouve que c'est une idée intéressante, tout ce qui serait de l'ordre de l'aide internationale, qui peut être monétaire, qui peut être en nature, qui peut être des denrées, des choses comme ça, pour aider les gens à se nourrir sans exploiter d'animaux, ça va demander... comment dire ? Ça va demander beaucoup d'ajustements. Il y a toute une question dans tout ce qui est théorie de la justice, aide internationale, qui est la question de la décence, qui est la question de l'humiliation. Et beaucoup d'auteurs, notamment Avishai Margalit, j'en reparlerai s'il faut, j'écrirai le nom sur le tableau. Margalit, il dit avant qu'une société soit juste, faudrait au moins qu'elle soit décente. Faudrait que ce soit une société où on va pas humilier systématiquement
les personnes ciblées. C'est-à-dire, on ne va pas, sous prétexte de leur appartenance à un groupe d'inclusion, alors appartenance réelle ou supposée d'ailleurs, leur infliger tel ou tel type de différence de traitement. Le souci, c'est que cette humiliation, dans les aides internationales, elle est très forte. C'est souvent très mal pris. La plupart des mises en place de politiques de développement sont pas reçues et durent pas, soit parce que ça ne vient pas des populations, soit parce que ça a été forcé sur les gens. Moi, je me souviens, c'était... j'ai plus son nom. Qui est quelqu'un qui dirigeait une école qui formait les gens au développement, qui a beaucoup bougé, qui a beaucoup fait des choses pour les infrastructures dans les pays en développement et tout. Et après avoir installé donc, tout un système d'évacuation des eaux usées dans un bidonville, justement pour augmenter l'hygiène sur place, une fois que ça avait été fait, les gens étaient venus et dit « Bon, ben merci, vous avez fait votre truc. Maintenant, on va faire le nôtre. On va s'intéresser à ce qu'on veut, quoi. » Donc c'est vraiment des choses qui... même si elles sont utiles. Remettre en question l'efficacité, la nécessité de l'évacuation des eaux usées, c'est pas possible. Bah, pour autant, c'était pas reçu tel quel, c'était pas vu comme une priorité. Et ça, c'est constant quand on souhaite intervenir dans un pays en développement, quand on souhaite faire quelque chose, quand on souhaite prôner quelque chose de pourtant consensuel, c'est que il faut que ça fasse partie des priorités des personnes sur place. Une autre anecdote, donc Alain Renaud, qui a été mon directeur de mémoire, qui a beaucoup travaillé dans des contextes locaux, il est allé à Djibouti, il est allé à Haïti, il est allé justement donc à Yaoundé, et c'est pour ça que je m'y suis retrouvé aussi. Quand il travaillait sur tous les problèmes écologiques climatiques à Haïti, les étudiants haïtiens, ils connaissent, ils en ont entendu parler, ils vont pas nier le réchauffement climatique, mais pour autant ils disent bon, d'accord, mais laissez-nous le temps. Nous on n'a pas le temps de penser à ça, à Haïti il faut qu'on mange, donc d'accord, c'est important, mais on va s'en occuper après. Et ils voyaient bien, et puis ça marchait à Haïti, mais ça marchait à Djibouti, ça marchait ailleurs. À chaque fois, les revendications et les objections qu'on lui faisait, c'était pas tellement sur le contenu que sur le fait que c'était pas la priorité à ce moment-là. Raison pour laquelle il disait, ça sert à rien de se baser sur des principes, ça sert à rien d'aller regarder du côté de Rawls, même si Rawls c'est génial, ça sert à rien d'aller regarder du côté de Reagan, même s'il y a un appareil théorique fondamental pour les abolitionnistes, si de toute façon, sur place, ça ne fait pas partie des priorités. Donc, il va falloir regarder ce qu'on peut faire vraiment pour donner aux gens non seulement les moyens de mettre ça en place, mais aussi les moyens de s'approprier ce type de questionnement. Et alors là, on est sur des considérations, vraiment, on est sur des trucs qui n'en finissent pas. Raison pour laquelle, moi, je pense que déjà... dans ma thèse, je vais aboutir à deux choses. La première, c'est que quand on voit les difficultés qui se posent dans les contextes locaux, il y a une certitude qui surgit. C'est déjà que c'est même pas la peine d'essayer de ressortir cet argument-là quand on est en France dans un contexte français. Quelqu'un qui vit dans une de nos sociétés n'a juste plus d'excuses. À part deux, trois cas pathologiques, des gens qui, bon, ben voilà... Moi, j'assimile pas le fer hématique. Il faut que je mange tel ou tel type de truc si je veux survivre. Bon, là, voilà. C'est des cas marginaux, pathologiques, vraiment des choses. Voilà. Pour le reste des gens, il n'y a pas d'excuse, quoi. Quand on regarde bien sur ces contextes-là, quand on voit bien à quel point c'est difficile dans notre contexte, on peut renvoyer aux gens qui sont de mauvaise foi et qui nous sortent cet argument-là que non, c'est facile. C'est très facile pour nous. Faut juste le reconnaître. Donc ça, c'est une conclusion, mais on est sur une certitude, quoi. C'est une telle étude, et je pense qu'une fois que le terrain sera fait, ce sera même encore plus vivace, c'est qu'il y a un vrai retour de flamme sur les responsabilités des personnes dans nos contextes. La responsabilité, quand on la regarde bien en éthique, et c'est Hans Jonas qui disait ça, il y a deux critères pour définir la responsabilité. Au moins deux. Faut une forme de savoir,
Si je ne sais pas ce que je fais, est-ce que j'en suis responsable, bah, c'est difficile. Il faut pouvoir faire autrement. Là, on est dans une société où les vidéos de type L214 ou autre se répandent beaucoup, ce qui fait que les gens, le savoir, ils peuvent pas y couper. Et j'ai même envie de dire, c'est pas trop dur de se renseigner, donc là, c'est bon. Et le pouvoir, ils l'ont. Le pouvoir, il est dans leur porte-monnaie. J'achète un truc ou je l'achète pas, quoi. Donc, la responsabilité de cesser de participer à l'exploitation des animaux, en particulier dans notre contexte, n'importe qui va l'avoir. C'est pas le souci. Ben, en revanche, un contexte comme celui du Cameroun, le pouvoir, ben, ça va nécessiter une forme d'empowerment des personnes sur place, mais vraiment quelque chose de solide, peut-être même de l'ordre des capacités chez Sen. Et le savoir, c'est une question aussi qui se pose, quoi. Quelle représentation est-ce que les personnes sur place ont des animaux? Qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qu'ils n'en savent pas? Il faudrait pas tomber dans le cliché que sous prétexte qu'ils chassent, etc., ils en savent rien, parce que généralement, un chasseur va être obligé d'observer beaucoup ce qu'il chasse, donc savoir comment il fonctionne. Donc en fait, la plupart savent très bien qu'ils font face à des individus sentients, des individus qui ont des caractères différents, qui ont des personnalités différentes, qui ont différents types d'intérêts, différents types de comportements. Donc ça, c'est pas vraiment le contexte, enfin, pas vraiment le problème. Par contre, bah oui, comment on fait autrement, quoi. Grosse question sur la responsabilité aussi. Et à regarder après, et alors là, c'est tout un truc qui est encore à construire, mais même pour moi, même dans le cadre de ma thèse, comment on met en place des politiques qui seraient locales ou internationales, d'ailleurs, favorables à ça. Comment on met en place quelque chose qui ferait que bah voilà, les populations locales arrêtent de souffrir des effets du réchauffement climatique, des effets externes du capitalisme, tout ce qui est pollution, tout ce qui est choses comme ça, arrêtent de souffrir de la marginalisation économique, de situations de paupérisation très dures qui viennent de l'organisation économique dans laquelle on est. On a une responsabilité de toute façon, et ça on la vante pas. Thomas Pogge le dit très bien, mais c'est pas le seul. On a une responsabilité vis-à-vis des pays en développement, et cette responsabilité, c'est de mettre en place une politique internationale juste, donc une politique internationale qui repose pas sur l'exploitation des pays en développement pour la richesse des pays développés, quoi. Ben justement, comment est-ce que cette responsabilité-là pourrait être repensée, être refondée, si on se dit, ben en plus, on pourrait même ajouter un critère, c'est-à-dire que non content de faire en sorte que les humains aient accès à une éducation et ne meurent pas de faim, et aient une forme de santé, etc., comment est-ce qu'on ferait pour qu'ils aient pas besoin non plus de chasser? Est-ce que ça pourrait pas être un critère d'aide internationale ou de politique internationale important? Je pense que ça pourrait se mettre en place, c'est déjà plus ou moins le cas sur tout ce qui est protection des espèces, protection des richesses naturelles, des ressources naturelles. On met bien en avant, ça l'ONU le fait déjà, que bon, c'est pas parce que les pays européens ils ont passé leur temps à déforester leur territoire que les pays en développement peuvent se le permettre aussi. Ce serait bien justement qu'ils fassent peut-être pas les mêmes bêtises que nous. Parce que là, on est en train de regarder. On a des sols pour cultiver, il n'y a plus rien dedans. On a des inondations partout parce que le sol retient plus l'eau, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Ce serait pas mal, surtout avec les catastrophes climatiques qui arrivent, que dans des pays en développement, ils ne fassent pas ça. Justement pour pouvoir lutter et avoir déjà différentes dispositions contre ça. Et toute cette politique internationale à repenser, qui pourrait être économique, mais qui pourrait prendre des tas d'autres formes, une forme politique aussi, c'est quelque chose qui a refondé de A à Z quand on pense le problème de la chasse de subsistance, qui est un problème vraiment pas si simple et pas si évacuable que ça. Donc c'est vraiment ce que je souhaite regarder. Et à proprement parler, en termes de réponse, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose.
On a éventuellement, au niveau politique, pas mal de philosophes qui mettent en avant des devoirs d'assistance ou des choses comme ça vers les pays concernés, mais sans plus. Or, nous, si on veut mettre en place un abolitionnisme, un vrai, pas un truc qui est valable dans telle ville de France ou telle région, machin, vraiment un truc à l'échelle planétaire, une fin du spécisme, une fin du spécisme, une fin de la discrimination, va falloir qu'on pense des choses qui, comment dire, n'ont pas l'air liées au départ, justice économique, justice climatique, qui en fait sont des conditions d'application, des conditions de possibilité nécessaires. Il faut repenser par exemple une justice économique pour que les gens aient plus besoin de chasser pour vivre. Ou pour que l'exploitation animale du type élevage industriel non seulement s'avère plus rentable, mais aussi plus nécessaire à la nutrition des personnes. C'est un travail de longue haleine et c'est pas peut-être que vous aurez des suggestions ou des idées en plus. Moi, c'est vrai que j'ai quelques pistes qui sont en train d'être développées pour le moment, mais rien de très comment dire? Rien de très concluant pour le moment, quoi. Je suis pas venu apporter des réponses, malheureusement. Question, tout à l'heure, tu disais John Stuart Mill, ce qu'a dit c'est il y a 150 ans que vaut mieux être un humain insatisfait qu'un cochon satisfait. Oui. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui avec les nouvelles infos qu'on a sur les cochons et les humains? En fait, on serait sur de la comparaison interspécifique. On serait sur voilà, comparer le niveau de bonheur de telle personne de telle espèce et telle autre. Mais c'est assez difficile. Déjà, la mise en place des critères est difficile. Admettons, par exemple, on met en place des critères du type biologique. On prend quelque chose de quantifiable, de mesurable, le taux d'endorphine, des choses comme ça, enfin, vraiment le plaisir mesurable dans le cerveau, etc. C'est difficile de dire qu'il vaille mieux être un humain insatisfait. Prenez l'amour qu'un parent porte à ses petits, qu'une mère porte à ses petits, le chat, le singe, l'humain et machin, le niveau, il est le même. Il n'y a pas de différence. Telle espèce animale ne va pas moins aimer ses petits que telle autre, par exemple. Donc déjà là-dessus, cette espèce de différence qu'on avait à l'époque 2000, qui consistait à dire que on avait des plaisirs, on est humain quand même, qui sont dessus, plus on creuse, plus c'est en train de s'effriter. Peut-être qu'au niveau culturel, ou sur quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui résisterait du côté de l'humain. C'est pas impossible. Le problème que ça pose, c'est que dans cette affaire, on est juge et partie. C'est-à-dire que on a des critères, mais les critères, on les met en avant à partir de notre vie, à partir de ce qu'on valorise. Voilà. L'intelligence, c'est de savoir parler, d'avoir une culture. Ah oui, forcément, on excelle dans le langage symbolique, on excelle dans la mise en place de culture, de transmission, de choses comme ça. Donc c'est normal qu'on le valorise, c'est normal qu'on parle de cette échelle-là. Mais définir l'intelligence que par ça, c'est un biais. Du coup, même chose, définir la satisfaction sur la base de critères humains pour ensuite déterminer s'il vaut mieux être un humain satisfait qu'un porc satisfait. C'est difficile. Il faudrait se débarrasser de tout ça pour se poser la question. Je pense pas qu'il y ait grand-chose qui tienne de cette déclaration-là aujourd'hui, effectivement. Oui, pour ta présentation, je voulais savoir si on avait une idée d'un ordre de grandeur du nombre d'humains qui sont concernés, qui ne pourraient pas faire autrement. Qui ne peuvent pas se passer l'exploitation animale sur Terre. Si tu as pas parlé de l'Asie, moi je pense que c'est là que la plus. Alors, du coup, comme j'ai regardé vraiment juste un contexte très local, parce que c'est un contexte que je connais aussi, j'ai pas de données quantitatives sur l'échelle de la planète. Parce qu'en fait, il faudrait regarder à chaque fois si vraiment le type de chasse ou le type de pêche en question est bien de l'ordre de la subsistance pure,
ou si au contraire c'est du trafic, c'est des choses comme ça. C'est très difficile. Mais maintenant, effectivement, ça concerne des dizaines de millions de personnes au bas mot, ça c'est une certitude. On pense même des centaines. Oui, on sait déjà aujourd'hui qu'en ce qui concerne l'exploitation animale dans le monde, donc élevage, mais du coup chasse lucrative, pêche lucrative, parce que bah, du coup ça fait des métiers, ça concerne déjà rien que ça près d'un milliard de personnes facile. Donc après, sur les 1 milliard de personnes, on peut peut-être se permettre d'ôter ceux qui travaillent en lien avec les animaux dans des sociétés suffisamment riches pour s'en passer. Mais pour tout ce qui est pays pauvres, énormément d'individus. D'où l'idée que, bah, du coup, si on essaye de réfléchir en termes de nombre, même s'il y a entre 1 milliard d'humains et 1 000 milliards d'animaux, déjà une bonne grosse différence d'échelle, bah, on reste quand même sur 1 milliard d'humains. Du coup, même en termes de nombre, ils ne sont pas négligeables non plus, quoi. Ça reste très difficile d'essayer de penser juste quantitativement le problème. Non. Oui. Quelle est la tentation de passer sur quelque chose que tu ne peux pas expliquer? Parce que comment est-ce que tu peux nous expliquer rapidement la différence entre le bien et le juste? La différence entre le bien et le juste. Alors l'idée, et pour le coup, c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup parlé de Rawls. Je vais noter son nom parce que ça peut être intéressant. Pas tellement. Après, si vous voulez lire Rawls, allez-y, parce que ça reste quand même quelque chose de très riche. Mais de toute façon, rien que Tom Regan va discuter ce qu'il dit. L'idée, c'est que on est passé avec quelqu'un comme John Rawls, qui est plutôt un philosophe politiquement libéral, vers des théories qui sont les théories de la justice. Et la justice, elle est à entendre dans un sens qui est assez proche de celui de la justice chez Aristote, d'ailleurs, c'est à chacun ce qui lui revient. Alors ce qui revient à chacun dans certaines théories, c'est le mérite, mais John Rawls, j'en ai parlé un peu, il se place pas du tout de ce point de vue-là, parce qu'on n'a pas de mérite à être né dans un pays ou dans une famille particulière ou des choses comme ça, donc il s'en écarte. Mais en revanche, voilà, ça va être une justice dont la répartition des biens, dans la répartition des droits, des choses comme ça. Tandis que les théories qui sont plutôt sur le bien, ça va être, on va mettre en place une valeur, on va penser, l'amour, la famille, ou des choses comme ça, ou même éventuellement parfois le plaisir, des choses comme ça. Donc on met en place une valeur et on fait en sorte que chacun puisse y avoir accès. Le souci de ces théories du bien-là, c'est que très vite, ça peut virer au paternalisme. Ça peut virer à « je sais mieux que toi ce qui est bien pour toi, donc ta vie elle doit prendre ce sens-là, etc. » Les individus dans une société qui promeut un bien n'ont pas forcément de choix particulier. Alors que chez Rawls, on est dans une théorie de la justice. Moi, j'ai une situation dans la société rawlsienne qui est... pas celle des plus mal lotis, ou éventuellement celle des plus mal lotis, mais elle est la plus haute possible, donc ça reste quelque chose de correct. Et derrière, le bien que je veux mettre dans ma vie, les valeurs que je veux avoir, ça me regarde. Si je veux valoriser la famille, je valorise la famille. Si je veux valoriser la liberté, les sorties, les trucs comme ça, mais vraiment, enfin, tout le côté liberté un peu romantique, un peu prendre la mer, etc., ben je valorise. Si au contraire ma valeur c'est le travail, ben ce sera le travail, et c'est à chacun de voir. Donc c'est vraiment le côté pluralité des valeurs que les théories de la justice permettent. C'est en ça que le libéralisme politique, il a été adopté assez facilement, c'est qu'il fait en sorte de promouvoir le moins de bien possible, d'être le plus neutre possible du point de vue des valeurs, du point de vue de l'axiologie. Qui ne veut pas dire que ce n'est pas problématique, parce que cette espèce d'individu désincarné, l'individu sous le voile d'ignorance de Rawls, par exemple, qui ne sait pas, qui ne connaît pas ses intérêts, qui ne sait pas qui il est, etc. Bon, déjà, d'une part, il n'existe pas. C'est l'individu de pure raison chez Emmanuel Kant. Bon,
c'est bien, ça fait des théories qui sont solides, mais dans les faits, bon, ça n'existe pas. Et puis, là où c'est problématique, c'est qu'à penser les individus comme des incarnés, peut-être qu'on manque quelque chose sur les êtres humains aussi. Donc c'est intéressant pour pas forcer des valeurs et des points de vue sur les gens, ce qui devrait être, je pense, le minimum légal dans tout ce qui est débat moral. Mais c'est problématique parce que ça oublie pas mal de choses. Donc voilà à peu près ce que j'aurais tendance à dire sur la différence entre justice et bien, sachant qu'il y a encore des théories morales qui vont se focaliser plutôt sur le bien que sur le juste. Tout ce qui est utilitarisme, c'est des théories qui sont focalisées encore sur le bien. Les plaisirs, la souffrance, la satisfaction des préférences, la satisfaction des intérêts, les choses comme ça. Ça, c'est des théories éthiques qui ne sont pas incompatibles avec de la justice ou des choses comme ça, mais qui sont fondamentalement d'abord centrées sur un bien qu'on va définir et puis qu'on va essayer de promouvoir le plus possible ou de baisser le plus possible si c'est un mal qu'on va définir, quoi. Alors, merci pour ton intervention. C'était très intéressant. J'ai une question, en fait. Je trouve ça intéressant le fait que tu t'intéresses à la chasse de subsistance tout en écartant tout de suite, je dirais, le contexte occidental, mais plutôt tu t'intéresses à des populations qui se situent dans les pays du Sud, enfin dans les pays en développement en général. Du coup, ma question, c'est. C'est l'article. Enfin, d'abord. Question un peu large, je ne sais pas si quelqu'un y a déjà répondu, mais est-ce que l'antispécisme est un universalisme? Et quelle serait la différence aujourd'hui entre une ONG qui irait faire la promotion de l'antispécisme dans un village de chasseurs et un missionnaire jésuite du 18e siècle qui irait faire prêcher la bonne parole en Asie ou au Japon? Mais justement, en fait, tout le souci, c'est que. À proprement parler, et dans l'état actuel de développement, ne serait-ce que économique, des pays en question, c'est pas facile de cerner la différence entre les deux. Après tout, on pourrait dire, le militant antispéciste qui y va, il pourrait stratégiquement se focaliser sur les espèces qu'il est déjà interdit de chasser. Déjà les espèces protégées par le droit international, etc. Mais le militant jésuite, il s'appuyait sur une forme de droit aussi. Qui était plutôt une forme de droit colonial. Donc déjà, de ce point de vue-là, la différence n'est pas facile à cerner. Ensuite, comment dire, on voit bien qu'au niveau de la réception, donc un antispéciste dans un village de chasseurs n'arriverait pas à être reçu en tant que tel, ce serait très problématique. Raison pour laquelle tout ce qui a été fait pour l'instant pour protéger certaines espèces animales est plus que problématique. La WWF, par exemple, au Cameroun, pour protéger certaines espèces qui sont chassées en forêt, alors je ne sais plus dans quelle partie du pays c'est exactement, mais enfin bref, pour protéger ces animaux-là, ils ont délogé toute une tribu de pygmées. Voilà, donc pour que vous ne consommiez plus les ressources, entre guillemets, de cet endroit, on vous déloge. Alors, oui, là du coup, la différence entre la protection des animaux par WWF et ce que faisait déjà tel ou tel type de missionnaire ou de colonialisme, elle est assez faible. Et clairement, c'est perçu comme ça. La critique anticoloniale, la critique anticapitaliste, elle est très très présente. Et parfois, elle prend même le dessus sur le reste, sur même d'autres sujets. Y a pas véritablement de problème à critiquer le colonialisme ou le capitalisme. Il faut les critiquer. Mais parfois, c'est même un débat qui prend le dessus sur d'autres considérations morales, sur d'autres choses comme ça. Et on se met à traiter peut-être de la violence ou peut-être de sujets moraux un peu plus généraux. La violence des humains sur les humains, etc. Et ça va dériver encore sur ces sujets-là. Donc c'est quelque chose qui est très, très prégnant, très, très inscrit, forcément pour des raisons contextuelles et historiques qu'on connaît, et qui parfois peut occulter certains débats intéressants aussi. Qui fait que, peut-être qu'au niveau réception, je ne saurais pas comment le formuler, parce qu'on n'est pas loin du procès d'intention, là. Peut-être qu'effectivement, dans
dans ce contexte-là, il y a des discours qui ne sont pas encore audibles. Mais c'est pas un problème fondamental en soi que ce soit pas encore audible. Enfin, regardez juste en France, la défense des droits des animaux, pour plein de gens, c'est déjà pas audible de toute façon. Donc c'est toujours problématique. Ouais, pour répondre, la différence elle est peut-être dans le message et la façon d'expliquer le message. Vous allez voir une différence entre arriver et dire je l'ai vu dans un bouquin, c'est le bouquin, et dire voilà comment on a trouvé ça, et voici les raisons, et voici pourquoi ça marche, avec peut-être plus de différence dans le message. Mais au final, je ne sais pas s'il y a une très grande différence entre quelqu'un d'ici qui irait en Afrique, ou quelqu'un d'ici qui irait dans son quartier, ou un peu plus loin de son quartier, en banlieue, ou dans une autre ville. Je ne sais pas si la différence elle est si importante que ça vis-à-vis de la réception du message, autre que dans le message lui-même. Et le deuxième truc, c'est pourquoi est-ce qu'on suppose que, par défaut, c'est un peu des gens blancs qui vont aller en Afrique expliquer des trucs. Tout à fait. Où en est le mouvement local? Justement. Parce que maintenant, tout le monde a... Enfin, tout le monde... Il y a Internet comme assez développé, et c'est une idée qui est assez connue. Alors, on a des antispécistes en Afrique. C'est pas le souci, et il en existe, et il y a des végétariens, il y a différents mouvements, certains pour des raisons religieuses, d'autres pas, et on se mettrait le doigt dans l'œil à penser qu'il y aurait une résistance uniformisée sur place, et qu'il n'y aurait aucun moyen de faire entendre quoi que ce soit. Non, c'est comme dans toute forme de société, de toute façon, il y aura des différences entre les individus, il y aura des gens qui vont plutôt défendre ci, défendre ça. Moi, je vois bien, j'ai travaillé un peu sur place avec des gens qui étaient en troisième année de licence de théologie. Et dans la fac catholique qui faisait de la théologie, on faisait faire aux théologiens un peu de philo-morale. C'était des cours assez généraux, mais qui prenaient des questions appliquées quand même. Et le prof de philo-morale qui était sur place m'avait fait un peu intervenir dans son cours. Et c'était très... très sympa finalement parce que les différents élèves qui pourtant avaient un socle de connaissances communes qui était le même, qui était de l'ordre de la théologie, de l'ordre de la religion, des choses comme ça, n'étaient pas d'accord entre eux. Et il y avait donc une élève utilitariste qui défendait que pour des raisons de calcul, pour des choses comme ça, on pouvait très bien alors c'est tout ce qui est l'expérience philosophique du tramway. Est-ce qu'on autorise le sacrifice d'un innocent pour en sauver 10? Ou est-ce qu'on laisse les 10 mourir parce qu'on n'a pas voulu actionner une manette qui tue quelqu'un? Est-ce que agir et ne pas agir, c'est la même chose? Et elle, en bonne utilitariste, donc visiblement, elle avait intégré et revendiqué ça. Elle disait, non, moi j'appuie sur la manette, il faut absolument faire ça. Et c'est quelqu'un qui était parfaitement d'accord avec l'idée que tuer et laisser mourir, c'est la même chose. Du point de vue des conséquences morales, c'est les mêmes, donc c'est pareil. Je m'y attendais pas. Parce que déjà, l'utilitarisme en France, quand on arrive à en parler sans se faire gueuler dessus, c'est... Bon, voilà. Mais non, il y avait aussi des différences là-dessus. Donc on peut très bien compter sur des personnes sur place, on peut très bien compter... sur justement des personnes qui ont appris à chasser, qui connaissent ces espèces, pour derrière les protéger. C'est assez souvent que ce qu'on appelle les savoirs cinégétiques, donc les savoirs acquis par la chasse, permettent derrière une conservation. Alors c'est un argument des écolos pour dire les chasseurs ils connaissent mieux les animaux que les véganes, donc finalement les véganes ils se plantent. Bon. Ça c'est l'argument un peu bateau, mais derrière il y a une vraie connaissance qui est là, qui peut servir, qui peut être utile. Et qui permet d'ailleurs de ne pas considérer juste les chasseurs comme « oh là là, c'est pas bien » et tout. Non, il y a quelque chose d'important derrière. Je pense qu'on doit pouvoir s'appuyer là-dessus. Et alors, tu avais dit aussi... Oui, c'est ça. Tu avais répondu en mettant en avant la différence entre la Bible d'un côté et les données scientifiques de l'autre. En gros, le missionnaire jésuite, il est venu avec un bouquin... sur un truc qu'on croit que ça s'appelle Dieu et qu'on croit que ça existe et que les humains ont inventé et derrière on en discute et machin et voilà, et d'un autre côté des trucs qu'on a découvert, des trucs plus solides. C'est une distinction qui peut être intéressante parce que effectivement entre une donnée scientifique
et un débat théologique, quand même un qui dispose de preuves, tout court. Mais pour autant, on trouve aussi une critique très très forte des mouvements scientifiques positivistes sur place. Justement parce que les positivistes, quand ils se sont pointés et quand ils ont cherché à apprendre des choses aux différentes populations locales, déjà ils ont été très condescendants. Tout ce que vous avez appris, tous les savoirs locaux, tous les trucs comme ça, ça n'existe pas, ça ne vaut rien, et ils ont tout mis du même côté. Donc bah, forcément, ça a été très mal vécu. Mais en plus, se pose pas la question des représentations. Donc tout ce que je disais tout à l'heure sur le « faut se laver les mains avant de manger », oui, mais c'est quoi manger pour les personnes à qui on parle? Eh ben, ça met en place une forme de critique du positivisme à cause de la manière dont il s'est développé sur place, qui fait que la différence fondamentale entre une donnée scientifique et la Bible, bah, c'est comme partout. Il y a des gens qui vont la recevoir, mais d'autres pas du tout. La différence, c'est aussi qu'on n'est pas dans le même monde qu'il y a un an, il y a 10 ans, il y a 50 ans, et que quand on a un smartphone dans la poche, du coup, on n'a pas la même approche de la technologie et du milieu des découvertes scientifiques que quand on ne l'avait pas et qu'on disait « il faut se laver les mains », par exemple. Oui. Et après, l'autre truc, c'était quelle est la différence entre quelqu'un ici, blanc, qui va en Afrique et expliquer des trucs, et moi, qui peux être vu comme quelqu'un de bobo parisien élitiste qui irait expliquer à quelqu'un d'autre des trucs dans la rue, quoi. Parce que la différence est si fondamentale vis-à-vis de la réception de... Je pense qu'il y a quand même une différence fondamentale, c'est le potentiel... Voilà, des structures culturelles qui peuvent provoquer une intervention dans un village de chasseurs, par exemple. L'autre jour, je regardais un reportage sur une famille d'aborigènes qui chassait le serpent dans la bouche. Et ben, typiquement, il y avait l'apprentissage de la chasse qui était important, ils chassaient en famille. Mais tu avais aussi un apprentissage de leur environnement, de la nature, de comment situer, comment situer dans le bush, etc. Et donc ça veut dire que ça va au-delà de la chasse aussi. C'est aussi un apprentissage de l'environnement, enfin, une socialisation à l'environnement, une socialisation familiale. Et il y a justement une intervention extérieure dans un village de chasseurs qui a beaucoup plus de conséquences qu'une mission locale ici. Oui, tu as juste à non, c'était par rapport à ce que tu disais, que nous, ça s'appuie sur des données scientifiques qui sont du coup vérifiables, etc. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Mais la population locale, du coup, je décrivais un peu ce qu'était l'esprit critique ce matin. Mm. Effectivement, nous, on a des connaissances qui vont pouvoir nous conforter dans l'idée que ces données scientifiques, elles sont fiables ou pas. Mais du coup, sur place, est-ce qu'ils ont ces connaissances qui vont pouvoir les aiguiller Parce que ça se trouve, tes données scientifiques, c'est de la grosse connerie, tu vois. Si t'as pas les données, si t'as pas les connaissances pour les vérifier. Il y a un accès, il faudrait pas caricaturer les contextes locaux. Les gens ont de plus en plus accès à Internet, il y a un accès au smartphone aussi, qui va être beaucoup de seconde main ou de choses comme ça, mais du coup, un accès au réseau quand même. Et il y a des universités sur place qui sont beaucoup plus difficiles à atteindre. C'est-à-dire que vraiment, faut faire partie de la classe moyenne pour atteindre l'université. Mais la classe moyenne n'existe quasiment pas. Raison pour laquelle la plupart des gens que j'ai rencontrés étaient jésuites, étaient prêtres, étaient sur le point de l'être, ou les femmes, c'était des femmes qui allaient devenir bonnes sœurs. Parce que quand on entre dans le clergé comme ça, on a certains privilèges économiques et sociaux qui sont pas... qui sont pas si énormes que ça, mais qui permettent effectivement de se lancer dans la voie des études, de se lancer dans des choses comme ça. Donc il y a un accès, il y a des choses sur place, bien sûr, mais l'éducation, en revanche, demande à être développée plus. Et l'éducation et l'esprit critique, il suffit de voir, mais enfin... En France, c'est encore ça. On a encore des gens qui meurent parce qu'ils vont prendre tel ou tel type de thérapie alternative qui retarde leurs soins. Et voilà, il y a encore un enfant en Italie qui est mort d'une pneumonie, quoi, d'une pneumonie en Europe. Parce que les gens, justement, ont privilégié leur biais à eux, ont privilégié le passionnel, n'ont pas souhaité écouter quoi que ce soit. Donc l'éducation et l'esprit critique, il ne sera pas... plus facile ou plus difficile. Je pense que les réactions sont
tout aussi complexe. C'est quelque chose de très difficile à mettre en place. Moi, je vois bien, dès que j'essaye de mentionner deux, trois choses, un peu d'esprit critique, un peu du « ouais, bon, bah d'accord, on a telle étude », il y en a une, elle est revue par ses pairs, elle est méta-analysée, elle est sourcée, voilà. Il y en a une autre, on ne sait même pas qui l'a écrit, visiblement, ce n'est pas quelqu'un qui travaille là-dessus, et en plus, c'est méthodologiquement très très, 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 très biaisé, mais non, c'est une étude, et les gens rebondissent, ils sont très contents. Donc maintenant, les vaccins, ça file l'autisme, ou je ne sais pas, enfin, on s'en sort plus, quoi. Et l'esprit critique, ça va vraiment être, à mon avis, un levier sur lequel appuyer du point de vue de l'éducation, et peu importe, philo ou pas philo, c'est vraiment, ça va être vital pour les générations à venir. Oui. Je pense que nous rejoint à peu près la pensée de Et donc déjà, merci d'avoir pointé les spécificités des pays du Sud. Je pense que là, il faudrait parler même en termes de tribus, parce que j'imagine que vous êtes très diverses. Oui. Tu as parlé beaucoup du Cameroun, mais au Kenya, il y a des, je ne sais pas combien de centaines de tribus. Tout à fait. Pour tout ce qui est la chasse vivrière aussi, quelle est votre légitimité à intervenir, hein, notamment en Amazonie, par exemple, où des peuples vivent comme ça. Bon, je sais que c'est comme ça depuis longtemps qu'il ne faut pas le changer, mais est-ce que ces peuples-là ont l'habitude aussi de faire ça de façon sustainable, de façon renouvelable, c'est-à-dire qu'ils savent que la nature raconte des choses, qu'il faut... Eux, ils ont ça pour vivre, donc ils y font attention. Je pense aussi peut-être aux petits peuples de pêcheurs dans les îles du Pacifique. Donc, quelle est notre légitimité à intervenir là-dedans? Est-ce que, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat, mais est-ce que c'est prioritaire? Parce que, voilà. Donc, voilà, c'était ça. Et une petite anecdote, donc, j'ai eu la chance d'aller au Kenya. Et donc, je ne mangeais pas de viande. C'est très facile de manger végétalien au Kenya, il y a tout ce qu'il faut. Simplement, quand ils me demandaient pourquoi vous mangez de la viande, parce que pour eux, c'était un signe de richesse. Et c'était vraiment, pour eux, c'est inconcevable qu'on puisse refuser de manger viande ou poisson. Oui. Et tu leur répondais quoi? Et bien que je ne souhaitais plus manger d'être vivant. Mais après, ils respectaient. Oui, mais tout à fait. Vraiment, peut-être beaucoup, peut-être même plus qu'ici. Finalement, donc, c'était quelque chose... On est moins à l'aise avec ça quand on est en avant, et finalement c'est beaucoup plus respecté. Mais c'est vrai que la réaction c'était ça aussi. Quand je disais, je vais prendre du riz, je vais prendre de la banane plantain, voilà. Plutôt ça. Du poulet? Non, merci, j'en mange pas. Pourquoi? Pourquoi? Donc oui, c'était la réaction aussi, parce que c'est inconcevable, c'est un signe de richesse, et du coup, ne pas en manger est problématique. Alors pour le Kenya, je ne sais pas du tout, c'est vraiment pas un pays que je connais, mais en revanche je sais qu'au Cameroun il y a près de 200 ethnies différentes, donc de toute façon en fonction des cultures locales, en fonction de ce qui se passe, en fonction des ethnies dominantes ou pas, en fonction des tensions entre ethnies, parce que mine de rien on a remarqué au Cameroun que l'ethnie correspondant à l'ethnie du président Paul Biya, elle était vachement plus favorisée que les autres. Par exemple, donc là, pareil, en admettant qu'on doive s'appuyer sur une ethnie pour laquelle? Donc c'est très très problématique. À proprement parler, sur la légitimité d'agir, c'est une question que je vais poser de manière secondaire. Je pense que c'est vraiment en interne que ça doit venir. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, les valeurs doivent venir des personnes elles-mêmes. Non pas, imposer de l'extérieur, telle vie a telle valeur, telle vie a telle valeur, donc il ne faut pas, etc. C'est plutôt, qu'est-ce que vous valorisez, comment vous voyez la valeur de votre vie propre, dans un mouvement intérieur, dans un mouvement... Corinne Peluchon, dans son dernier ouvrage, dans l'éthique de la vulnérabilité, elle parle de transdescendance, par opposition à la transcendance, le côté un peu ascendant du truc, c'est... On va d'abord regarder en nous-mêmes, et dans le rapport qu'on a à soi, après on fonde un certain rapport aux autres, pour le dire très vite. Ce qui est quelque chose d'assez proche de la pensée d'Aristote sur certains points d'ailleurs, même si quand elle dit ça, elle pense plutôt à Bernard de Clairvaux. Moi je pense que c'est quelque chose d'absolument vital, il faut que ça vienne en interne. Donc la légitimité d'agir finalement, c'est pas la mienne, clairement pas. J'ai pas de légitimité à venir à dire à quelqu'un ce qu'il doit faire ou pas
en particulier quand il y a des questions de survie en jeu. Ce qui est le cas là. Voilà, et ce qui est le cas ici. En revanche, si je me pose la question, c'est parce que on va être obligé de se la poser si on veut assumer le côté global des différentes théories animalistes mises en place, qu'elles soient antispécistes ou pas, qu'elles soient véganes ou pas. Si on pense que globalement il y a un minimum de droits des animaux ou un minimum d'intérêt à respecter, il y a des gens qui sont frileux, qui ne veulent pas parler de droits. Peter Singer, par exemple, on lui parle de droit, il dit on va trop loin quand on parle de droit, il faut partir d'un truc qui est quantifiable, qu'on sait, plaisir, satisfaction des intérêts, surtout, etc. Bon, bah, effectivement, peu importe, hein, que dès qu'on se situe dans un contexte global, il faut assumer. Si moi je dis demain, je suis antispéciste, pour ces raisons je suis vegan, et pour ces raisons je pense que ça doit être appliqué globalement, eh bien, je me dois de penser aussi à des contextes qui sont problématiques de ce point de vue-là. Si je considère qu'il faut que ça s'applique globalement, mais que je fais comme Tom Regan, que je fais comme d'autres penseurs, que je reste dans un contexte qui est strictement le mien, ben on voit bien qu'au niveau des outils conceptuels que je mets en avant, en France ça marche, au Canada ça marche, aux États-Unis ça marche, en Europe ça marche, mais pas ailleurs. Et du coup, bah derrière, ça ne s'exporte pas, ça ne s'entend pas. On peut avoir effectivement une intégration des normes venant de certaines populations qui peuvent émigrer, revenir. Il y a des échanges culturels, bien sûr. Donc et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des antispécistes aussi en Afrique. C'est que c'est des gens qui ont échangé, qui ont travaillé, qui ont une sensibilité de base aussi au départ. Mais si on est inaudible dans certains contextes, c'est parce que quand on a travaillé, quand on a étudié, on s'y situait pas du tout. Il suffit de voir Reagan. Les deux seules choses dont il parle, c'est loisir et économique. Mais pourquoi ? Parce que là où Reagan parle, donc, c'est les États-Unis. Y a bien 3-4 rednecks au fin fond du Texas qui vont tirer sur des trucs pour les bouffer. Mais c'est pas un impératif de survie, quoi. Et il n'y a pas de chasse vraiment vivrière aux États-Unis. Mais comme on est antispéciste, on est souvent justement contre la prédation, parce que c'est pas juste que le lion tue une gazelle pour la manger, parce que la gazelle a aussi le droit de vivre finalement autant que le lion. On dit il faudrait pas qu'il y ait cette prédation, quitte à ce que le lion meure, parce que finalement il n'a pas d'autre choix et puis il n'a pas le choix de manger autre chose. Mais vu que les humains dans les pays en voie de développement qui chassent sont aussi des prédateurs, on est d'accord que c'est parfaitement spéciste en fait de leur autoriser de chasser, même si c'est une nécessité vitale. Oui, tout à fait. C'est quelque chose que je mets bien en avant. Si à terme, on décide de plutôt pas intervenir ou plutôt en venir à... disons différentes prescriptions qui autorisent la chasse, qui etc. et tout, on va retourner sur des trucs biaisés, sur des trucs spécistes, sur des choses comme ça, qui sont très très problématiques aussi. C'est déjà le cas dans toutes les situations exceptionnelles dont parle Tom Regan, par exemple. C'est que même si Regan, à proprement parler, je ne sais pas qu'on puisse le considérer comme quelqu'un de spéciste, en attendant, dans ce qu'il autorisait à titre exceptionnel, il y avait des choses qui, si elles étaient spécistes, ne seraient pas différentes. Donc c'est très problématique. Et je me suis posé la question, je me suis dit, après tout, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer les personnes qui sont dans la chasse de subsistance comme des prédateurs, et puis à partir du moment où c'est pour de la survie, on n'y touche pas. Enfin, voilà, y a des gens qui défendent ça. Qu'est-ce que vous faites des Inuits ? C'est de la survie. Nous, on n'est pas en situation de survie, donc nous, on va abolir, et puis après, on verra. Ça, c'est pas une position. Sauf que ça va pas de soi. D'accord que ça va pas de soi. Il y a tout un mouvement sur, par exemple, la réduction de la souffrance des animaux sauvages qui va pas considérer qu'il y ait un droit inné ou inhérent du prédateur à chasser. C'est une question que je me suis pas encore posée suffisamment précisément pour apporter une réponse tranchée. C'est-à-dire que je vois l'argument, je vois la critique, je vois bien les problèmes que ça met en avant qui sont de vrais problèmes. Mais comment me situer par rapport à ça, pour l'instant, j'en ai aucune idée. Je n'évacue pas, mais... Oui. Je me parlais déjà, c'est ça, il n'y a pas très longtemps,
il était organisé par Baraté et Baraté. Oui. C'était autour des primates. L'automédication chez les primates. Il y avait ça à la fenêtre à l'ethnologue. Oui. Et c'était... il y avait une ethnologue qui travaille avec elle, qui s'appelle Florence Brunois, pas une arme, je me rappelle bien son nom. Et qui travaillait sur la transmission des savoirs interspécifiques. Donc elle travaillait donc avec des communautés locales, c'est en Afrique, notamment. Et donc c'était des communautés qui ont une relation avec les groupes animaux, c'est des primates, et donc d'échanges de savoirs médicaux par observation. Oui. Bon, il y a un travail à savoir si l'automédication, s'il n'y a pas que le temps, si ça ne va pas au-delà de l'automédication, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'un exercice médical au sein des, chez les gorilles, c'est-à-dire des gorilles qui soignent d'autres gorilles, donc qui auraient avec des professions de savoir, etc. Ce qu'elle décrivait, l'ethnologue, c'est que le rapport entre ces groupes humains et les humains, c'est sont des savoirs d'observation, de respect, de reconnaissance de compétences, de reconnaissance de savoir. Alors là, j'aimerais savoir comment on définit le spécisme dans ces cas-là. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que ces gens-là, occasionnellement, ils ne chassent pas et ils ne mangent pas les gorilles. Donc ça, c'est une question, savoir comment on définit dans ce cas-là le spécisme, parce que c'est seulement le fait de manger, de ne pas manger. D'autre part, il y a une autre question sur l'histoire des prédateurs, parce que j'entends beaucoup ça tourner. C'est-à-dire le fait que tout le monde se pose la question de savoir si on a le droit de laisser le lion ou la gazelle. Mais, je veux dire, et la gazelle, qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce que la gazelle a envie d'être protégée par qui que ce soit? Je veux dire, en tant que femme, je connais ce discours des hommes qui veulent protéger les femmes, jamais. Je préfère régler mon problème, les gazelles peuvent peut-être régler leurs problèmes comme elles les règlent justement avec les lions. Donc les gazelles préfèrent mourir que vivre, c'est non, ça? Non, elles ne sont pas destinées à mourir et les femmes ne sont pas destinées à être victimes. Les gazelles ne sont pas nécessairement victimes, c'est parce qu'elles le sont parfois, qu'elles le sont nécessairement. Les femmes, c'est pas parce que les femmes sont agressées, etc., qu'elles sont nécessairement victimes et qu'elles doivent être sous tutelle. Je pense qu'il y a un parallèle intéressant justement entre le côté protection des espèces et toutes ces espèces de mythes virilistes de l'homme protecteur qui reposent sur rien en fait. Parce que dans le cas des viols, c'est des personnes que les femmes connaissaient. Donc l'homme protecteur, merci, on repassera. C'est pas des inconnus qui violent les femmes, c'est des gens qu'elles connaissent. Donc déjà, ça tient pas. Alors faire un parallèle entre ça et la situation de la gazelle, pour le coup, je sais pas. C'est intéressant de le penser comme ça, parce que ça sort un peu l'idée de protection. Un homme, c'est fort, et si c'est fort, ça protège. Mais si ça protège les faibles, ça en profite pour les dominer aussi. Oui, donc, c'est pas tellement sortir l'idée de force, c'est sortir les faibles de l'image. Et voilà. Non, c'est intéressant, mais... C'est pour les victimes que ça prend de gens qui veulent les protéger. Après, c'est un débat qui va se situer beaucoup... il faudrait avoir beaucoup avec les tenants de différentes positions, disons, de réduction de la souffrance des animaux sauvages, qui, pour le coup, va me concerner assez peu, au sens où c'est vraiment un débat où j'ai pas pris position pour le moment. Donc, je préfère pas répondre plutôt que de parler pour d'autres. Donc ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, et les échanges de savoir, les médications, ça, c'est hyper intéressant. Ce colloque, je voulais y aller. Non, je crois que c'est Cédric Sueur qui l'a organisé. Il y avait Eric Baratet, il y avait... J'ai rencontré Eric Baratet, et il m'a filé la référence d'une thèse sur la chasse, la viande de gros, ces choses comme ça. Donc j'aurais au moins aimé y aller pour le remercier. C'est hyper intéressant, mais je pense qu'on peut quand même penser du spécisme, même s'il y a des échanges de savoir. Parce que le spécisme, c'est pas se couper de toute interaction avec les animaux, excepté celle qui consiste à, basiquement, les exterminer pour les manger et s'en servir. On peut aussi être dans une relation, parfois, d'échanges, de choses comme ça, et pourtant, derrière, chasser et considérer que, comme c'est une espèce qui n'est pas la nôtre, on peut la discriminer, lui nier ses droits et...
Donc c'est pas impossible, je pense que les deux peuvent cohabiter. Mais est-ce que ça se trouverait pas, je veux dire, plutôt qu'un spéciste, faire un ethnocentrisme, on se tapait tout et se mettre en lien avec l'anthropophagie. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, du moment où on ne considère plus, enfin, je ne sais pas, hein, je peux poser du soin, je ne sais pas, sur ce type de réflexion, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne mange pas les animaux parce que ce n'est pas des humains, on mange les animaux parce que ce ne sont pas des humains, mais parce que ce ne sont pas de notre groupe. Je veux dire, l'anthropophagie, ça a existé beaucoup, ça a été interdit. Ça a été interdit de l'extérieur. Je veux dire, moi, il y a quelque chose qui me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Le spécisme, c'est quand même, enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends, c'est quand même poser un statut par rapport à l'espèce, ce qui n'existe pas dans l'ethnocentrisme. C'est-à-dire qu'on respecte les autres, mais bon, on leur fait leur guerre, la guerre. Éventuellement, si on pense que ça peut nous apporter des vertus ou des trucs d'esprit, on va bouffer tel ou tel organe. Est-ce qu'on peut ajouter ça dans les sujets de discussion dans les ateliers du soir? Est-ce que tu veux l'ajouter sur le truc, comme ça on en discute un peu plus ce soir? Sur l'anthropophagie? De trouver des points aussi. Non, vu l'heure, je vais pas. Oui. Je ne connais pas dans le second Cameroun ni à l'Afrique. Je me fais sur la pertinence de ma question. Ce que je sais, c'est que. Il y a pas, il y a nombre de sociétés étrangères, russes et chinoises, me semble-t-il, qui se sont fait, qui sont une spécialité d'acheter des terrains en Afrique aujourd'hui, et des terres agricoles en particulier dans l'anticipation d'une pénurie à venir. Je voudrais savoir si tu vois une corrélation entre ces achats massifs, enfin qui se développent, et un impact sur les populations et la chasse, voilà, je ne comprends pas bien comment tu... Il peut y en avoir. Il faudrait regarder vraiment chaque entreprise particulière, mais c'est vrai que entre différentes entreprises chinoises qui s'installent, qui vont avoir la main mise sur des ressources d'une certaine zone et vraiment tout raser. Bon, bah, pour les populations sauvages qui habitent là, c'est une catastrophe. Et en plus, quand elles cherchent un nouvel habitat, elles se font piéger et tout. Donc déjà, ça permet quelque chose. Mais c'est aussi une privation de ressources pour les populations locales. C'est Singer qui disait ça quand il pose la question au niveau vraiment de l'éthique internationale. Comment on définit que quelqu'un a un droit sur une ressource naturelle? Et ce que disait Singer, c'est quelqu'un qui travaille cette ressource-là, qui va en avoir besoin pour vivre, qui va avoir besoin de bois ou de choses comme ça, il pourrait être légitime. Mais qu'en revanche, un État qui serait totalitaire, qui serait dictatorial, qui penserait pas du tout à son peuple, aurait pas de légitimité à travailler sur les ressources, à extraire des ressources de son territoire. Et c'est, il me semble assez pertinent parce que ce que fait l'État camerounais, c'est donner à des entreprises le droit d'extraire des ressources qui ne retombent jamais sur la population. On a mis en avant, par exemple, au moment où il y a des entreprises chinoises qui sont venues, que d'accord, les entreprises chinoises allaient exploiter tel et tel type de ressources, notamment du bois, mais que les travailleurs seraient des travailleurs camerounais, donc que ce voilà. Et en fait, les entreprises sont venues avec leur propre main-d'œuvre et les travailleurs sur place n'ont rien eu. Donc on leur a dit, non mais attendez, on va construire des écoles. Je les ai vues, c'est en ruine. Éventuellement, les écoles construites par des Japonais, elles sont encore debout et elles servent, mais alors les entreprises chinoises, elles ont fait des trucs, c'est vraiment, c'est de l'artifice, c'est pour faire joli. Est-ce que tu as parlé de l'expropriation des IV? Alors ça, c'est WWF qui... Par rapport à ce qui nous attend, avec ce qui attend la population locale, avec les sociétés chinoises et tout ça. Oui, c'est le cas aussi, oui. Derrière d'abord. La question se divise un peu en deux parties. Est-ce que élaborer et éventuellement mettre en pratique des solutions, des pistes de solutions pour les pays pour passer la chaîne de subsistance, est-ce que ça peut s'avérer utile pour les mouvements animalistes globalement? Est-ce que ça peut servir à régler les problèmes locaux? Ou inversement, est-ce que ça peut être contre-productif? Et dans le fond, est-ce que c'est vraiment utile de penser à ces sujets-là, alors qu'on a la majorité des animaux dans le fond, qui sont tués pour fin des humains, et aussi pour les intermédiaires, dans d'autres problématiques plus sur les ordres?
Je pense que c'est utile à plusieurs titres. En fait, je suis d'accord pour dire qu'effectivement, il y a peut-être plusieurs gens au sens où, effectivement, des animaux, c'est dans les sociétés occidentales qu'on va en tuer beaucoup avec l'industrialisation. C'est énorme. Hein. Donc s'occuper de ça, ce serait peut-être plus urgent. D'autant qu'en plus, effectivement, dans nos contextes, on n'a pas cette excuse-là de la survie. Qui est pas, c'est une excuse, mais au sens faible. Hein. C'est pas du tout un jugement de valeur. Donc oui, c'est vrai que c'est intéressant. Mais du coup, au niveau théorique, et dans le domaine qui est le mien, sur cette problématique-là de l'exploitation des animaux dans les sociétés occidentales, j'ai pas l'impression de pouvoir apporter grand-chose. C'est peut-être strictement subjectif, et je me plante peut-être, mais je suis pas sûr de pouvoir apporter quelque chose à l'arsenal théorique qu'on a déjà, qui est très solide, très très solide. Il y a vraiment des arguments indébunkables, des arguments économiques, des arguments écologiques, des arguments scientifiques, des tas, et sur l'éthique, beaucoup de choses aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a assez de ce point de vue-là, et que la différence à faire, je ne pense pas en être spécialement responsable. En revanche, il y a quand même encore des problèmes qui ne sont pas résolus par les différentes théories animalistes, quand elles veulent être globales, et ces problèmes, c'est les problèmes des contextes locaux. Je pense qu'il faut au moins penser le sujet, au moins penser ces difficultés, quitte à ce que derrière, on en arrive on a une hypothèse de départ qui consiste à dire que les prescriptions abolitionnistes sont valables partout. Il se pourrait très bien qu'à la fin de l'étude, avec plusieurs études de terrain, en travaillant avec pas mal de gens là-dessus, j'en vienne à la conclusion que non, c'est pas applicable partout. Mais au moins, ce sera toujours ça de fait, ce sera toujours ça d'apporter. C'est-à-dire qu'il faut éclaircir la situation. Il faut penser le truc et... quand on voit que quelqu'un comme Tom Regan, qui a quand même fait des choses conceptuellement, mais folles, enfin, il a travaillé contre John Rawls, mais il est entré dans les détails vraiment les plus précis. Là, je ne l'ai pas trop détaillé, mais il y a tout un moment où il essaye de comprendre pourquoi John Rawls, sous le voile d'ignorance, ne fait pas ignorer aux gens qu'on est des humains et pas des animaux. Parce qu'après tout, je fais oublier aux gens leur intérêt, je leur dis « vous pouvez aussi vous retrouver ». À être des animaux dans tel type de société, la société qu'on construit à partir de ça, à partir de cette méthode-là, elle pourrait être différente aussi pour les animaux. Il y a tout un travail de Regan qui est absolument fou là-dessus, donc vraiment, il arrive à des trucs, mais c'est balèze. Et à côté, le fait que des gens soient obligés de chasser pour survivre, c'est totalement pas présent, c'est évacué d'un revers de la main. On a tendance à dire que Kim Ilka en parle parce qu'il considère que les animaux doivent avoir un droit de propriété sur les espaces sauvages, qui d'ailleurs le mène à un truc plutôt non-interventionnisme, plutôt opposé à tout ce qui est réduction de la souffrance des animaux sauvages et tout. Mais finalement, sur tout ce qui est chasse à proprement parler et contexte locaux comme celui-là, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc tout ce qui est outil conceptuel, je pense que ça manque. Et ça pourrait en retour... peut-être pas forcément éclairer les théories qui existent déjà, parce que ce serait pas très modeste de ma part de dire que grâce à moi on va tout comprendre. Non. Mais au moins voir à quel point c'est facile chez nous, par comparaison. Et peut-être aussi voir à quel point il faut retravailler certains sujets très importants si on veut que l'abolition se mette en place. Du type justice économique ou choses comme ça, qui sont peut-être pas séparables, compartimentables. Peut-être que justement, du coup, il va falloir peut-être un genre de convergence des luttes ou quelque chose derrière. Je pense que ça peut être intéressant aussi d'aller dans cette voie. Après, peut-être que je me plante, mais c'est une hypothèse à creuser. Dans tous les cas, ça peut être un investissement pour les gens. Oui, tout à fait. Mais alors, avant que ce que je travaille soit mis en place, en admettant que ça le soit, je reste à faire de la philo, hein. C'est pas des trucs qui sont appliqués généralement. Mais en admettant que ce soit le cas, ce serait pendant plusieurs décennies, et avec entre-temps des tas de gens qui seraient allés retravailler, quitte à démonter tout ce qui a été fait ensuite. Mais au moins, peut-être, je sais pas, un point de départ, un truc. Quitte à ce que ce soit pas énorme, hein, parce que bon, en termes de connaissance des contextes locaux, il va encore me manquer beaucoup de choses aussi.
Merci pour ton partage là, de connaissances. Hein. Et moi, en fait, je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais posé une question et tu me disais, tu vas peut-être avoir des éléments de réponse par rapport à la pêche de subsistance que moi, je pratique une partie dans l'année sur une île de l'Atlantique. Et en mettant ce t-shirt ce matin, abolition de la viande pour un monde sans exploitation animale, sans exploitation animale, est-ce que ça, alors pour les abolitionnistes, parce que je commence à comprendre petit à petit ce que ça veut dire, mais est-ce que dans mon cas, et enfin dans le cas des gens qui font de la chasse de subsistance, pour eux, enfin moi c'est ce que je ressens quand je suis avec eux, il n'y a pas d'exploitation animale. Donc est-ce que ça veut dire que si l'humain pense qu'il n'y a pas d'exploitation animale, il peut se permettre de chasser? Bah, en fait, souvent, c'est tout le souci, c'est que le mot d'exploitation, soit ça désigne effectivement une domination, une forme de violence, des choses comme ça, donc c'est tout le côté exploitation, dénonciation du capitalisme, dénonciation de certaines discriminations, mais ça peut désigner aussi, et c'est là que le mot pose problème, simplement l'exploitation agricole. Et l'exploitation agricole, bah, ça peut être juste des terres ou des choses comme ça, et de ce point de vue-là, c'est pas exploiter au sens fort, c'est pas exploiter au sens moral. Et le souci, c'est qu'effectivement, bah, de ce point de vue-là, on peut être amené à penser que, bah non, je chasse. J'exploite pas, je fais pas travailler les animaux, je les enferme pas, etc. Je chasse pour me nourrir, mais c'est tout. Je précise, c'est vraiment au niveau de la pêche, moi. Bah oui, enfin voilà, de la pêche. Mais on pourrait aussi considérer que c'est une forme de d'exploitation. Et de la pêche, on va voir, on veut dire pas de la pêche. Oui, mais ça peut être considéré comme de l'exploitation au sens où on les considère comme une ressource. Et déjà, rien que ça, c'est effectivement quelque chose de problématique. Qu'est-ce qu'on est légitime à considérer comme une ressource pour nous ou pas, finalement? Et je suis pas sûr que du point de vue du poisson, il y ait sentiment de justice à l'idée de dire je ne suis pas né dans une ferme avicole, je suis juste pêché au harpon. Ouais, mais enfin, c'est considéré comme une ressource, c'est tué pour se nourrir, alors que peut-être on pourrait faire autrement. C'est difficile. Il faut voir. Mais bon, c'est quand on parle d'exploitation, il faut essayer de cerner ce qu'on met derrière aussi. Est-ce que c'est un sens fort, justement, et du coup, un jugement de valeur, une condamnation? Ou est-ce que c'est exploitation, genre, il y a des ressources et je prélève? Le vocabulaire du prélèvement, il est quand même très très problématique. Merci. A contrario, certaines personnes vont dire, vous inquiétez pas, c'est de l'élevage. Si. C'est de l'élevage. Mmh. Voilà. C'est pas un animal qui a eu la liberté, alors c'est quand même, c'est comme de la fourrure. Il n'a pas été chassé, il a été élevé. Et tu es comprends, bah, c'est une image, c'est pas très bon. Après, côté culturel aussi, c'est important parce que tu ne peux pas. Et un petit peu ce côté des jésuites qui arrivent avec leur dîner. Moi, je ne peux pas arriver dans ce. Enfin, je ne sens pas encore aucune légitimité pour pouvoir ma bouche dans ce plan. Sachant que ça fait 30 ans que ça existe, que pour eux, bon, ils n'ont pas d'iPhone, ils n'ont pas de téléphone portable, ils sont. Et ils veulent justement conserver une espèce de. Retrouver une espèce de c'est dans quel contexte en fait. Dans un contexte autarcique en fait. D'accord. C'est des gens qui se sont retirés du monde. Voilà, ben, c'est dans le contexte hippie des années 70, quoi. Voilà. Et c'est des générations d'enfants qui eux, voilà quoi. Et qui sont un petit peu plus jeunes que moi, mais il y en a qui ont mon âge. C'est leurs parents qui sont plus. Je pense que la légitimité est la même pour que ça soit une tribu. Il y a toujours déjà, enfin, il n'y a pas de contexte historique, c'est juste la chasse de son histoire. Ouais. Après, en vrai, je suis pas fort. C'est leurs parents. Ou leurs parents, mais voilà, ils ont pas choisi. Le temps est un peu plus court par rapport à des peuples amazoniens comme ça depuis des centaines d'années. Ils n'ont pas le moyen de revenir. Ici, ils n'ont pas le moyen. C'est
La tradition. Mais en tout cas, du point de vue du poisson. Oui, puis autant on peut penser légitimité des gens qui veulent se retirer du monde, autant les enfants qui font ne sont pas responsables du choix de leurs parents. S'ils ne peuvent pas revenir, s'ils sont bloqués dans ce contexte-là, c'est problématique aussi. Donc c'est à voir. Moi, j'ai rien contre les communautés qui veulent s'extraire du monde, et c'est vraiment pas un souci. Même si moi, à titre personnel, je considère la société, le travail, des choses comme ça, comme des valeurs que j'ai intégrées et auxquelles je tiens, c'est pas pour autant que je vais considérer qu'il faut absolument que ce soit une valeur pour tout le monde et que tout membre de la société qui n'est pas actif et productif, oh là là, c'est pas bien. Non, je comprends qu'on veuille s'extraire, il n'y a pas de souci. Mais du coup, il faut mesurer aussi ce que ça a comme conséquence, ce que ça a comme implication. C'est-à-dire que si c'est pour revenir à de la chasse, on pourrait s'en passer. Si c'est prendre des risques sanitaires, ou si c'est peut-être aussi pour des générations futures mettre en place un certain contexte, à voir. Faudrait, mais là, alors je dis ça, c'est valable pour toutes les cultures de mon point de vue. Et Kim Lika, qui est un des grands penseurs de l'éthique animale, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup pensé tout ce qui est multiculturalisme, interculturalisme. Un contexte culturel devrait avoir une porte de sortie. On devrait pouvoir, quand on est dans une culture, dire bah ouais, je suis né dedans, mais tel truc j'en veux pas, et je sors. Pour nous, c'est intéressant parce que moi, ma culture, c'est la charcuterie et le steak de bœuf, par exemple. C'est en venu de Vendée, enfin, clairement, c'est dedans. Mais je dis ça, non. Ça, je ne vais pas le garder. Et dans la culture française, il y a des autres trucs, je n'ai pas envie de les prendre. J'avais pas envie de prendre spécialement non plus certains rôles genrés qui sont vachement mis en place. Ça a donné lieu à des tentatives de recadrement très intéressantes. Essayez d'avoir 6-7 ans en Vendée et vous faire pousser les cheveux. Maintenant, ça passe. Il y a 20 ans, c'était déjà beaucoup moins facile. Et voilà, il faut des portes de sortie. Et donc là aussi, et pour d'autres cultures qui pourraient avoir un droit à être préservé, pour autant une porte de sortie pour les gens qui sont dedans, et pour les gens que ça peut dominer aussi, parce qu'il y a des cultures qui vont proposer des rôles genrés pas forcément intéressants, des choses comme ça. Il faudrait que certaines femmes, certains enfants puissent pouvoir en sortir aussi. La condition pour Kim Lika de la protection d'une forme de culture, c'est déjà d'une part que ce soit compatible avec des principes minimaux de vivre ensemble. Genre, c'est gentil, mais on n'a pas le droit de vie ou de mort sur les personnes qui sont à l'intérieur de notre culture, par exemple. Ou aussi le fait que on protège, mais les gens doivent avoir le droit de sortir. Je pense que dans ce cas-là, ça pourrait jouer. Tu pourrais avoir le droit de sortir de ce contexte-là, ne serait-ce que pour pouvoir te passer effectivement de la pêche ou trouver une autre solution. Merci beaucoup.